Yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui les gars, nouveau live. Les gars, on se lance une nouvelle aventure. J'ai déjà livé du coup sur ma Train Simulator 2 la semaine dernière et je voulais absolument y retourner. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire qui va changer quoi? Et on va tester aujourd'hui les gars, le DLC TGV, LGV les gars, qu'on va tester aujourd'hui. Ça va être incroyable, j'ai trop envie de tester. Et voilà, je pensais passer une bonne journée les gars. Yo le chat, salut tout le monde les gars. Yo le chat, du coup je crois que j'ai lancé en laisse ma chaîne secondaire sans faire esprit tout à l'heure. Yes, bravo Stavio. Non c'est bon, ça a pas lancé. Ok, j'ai eu peur. Ok, bah yo le chat, salut Brandon, salut Fritz, salut Mindro. Du coup, c'est vrai que sur cette chaîne, les gars, il n'y a pas eu trop d'activité depuis mardi dernier, je crois, parce que j'étais en tournage. Jeudi prochain, non, samedi prochain, on retourne, les gars, de nouvelles vidéos qui vont arriver. Vous inquiétez pas, tout va revenir. Salut Marc, salut Noah, salut Croquet, salut Petit, salut Ganaël, salut. Oh, le chat s'énerve. Du coup, les gars, alors ça va être un live. Starvio, c'est un BG. Merci Nico qui fait plaisir. Donc ouais, du coup les gars, ce soir on va live sur ce DLC là. C'est le DLC LGV. Donc je l'ai acheté parce que là, du coup Train Simulator, on l'a testé la semaine dernière. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues, c'est sûr les gars. Mais quand même, faut quand même qu'on va essayer de faire des trucs sympas aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Salut Stavo, tu vas bien? Super bien les gars. Je veux que vous m'explosez la barre de like. Le live de la semaine dernière les gars, le live de la semaine dernière a fait 90 000 vues en rediffusion, ce qui est incroyable. Non mais vraiment, vous avez tout pété. Du coup je me suis dit, bah vas-y, j'ai live du coup cet après-midi sur les petits producteurs, enfin les producteurs français, enfin vers 18h. Et je me suis dit, ce soir on va pas live sur la chaîne secondaire, on va live sur la chaîne principale. Donc voilà, tout simplement les gars. Bref, est-ce qu'on serait pas parti? Est-ce qu'on lancerait pas le jeu? Déjà, est-ce que le chat est présent les gars? Salut Silex. Déjà, bah déjà, alors encore une fois, j'aurais encore une fois besoin de vous. Bug de YouTube. Ah ouais, pourquoi bug de YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a YouTube? Salut tout le meilleur. Il dure combien de temps? Car j'ai cours. C'est vrai qu'il y a cours maintenant le gars. Demain il a repris pour pas mal de gens. C'est vrai, mais vous inquiétez pas les gars, il y a la rediffusion. Oui on est là, ok. Ok les gars, du coup qui c'est qui était là les gars au premier live qu'on avait fait la semaine dernière? Qui était là? Parce que bah, j'ai envie de reprendre, enfin j'ai envie d'y jouer, mais il faut que ça se passe bien, voilà. J'ai envie que ça se passe bien et qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc déjà, on va lancer le jeu. Ce serait bien, voilà, on va lancer le jeu. Attendez, hop, let's go. Starvio TGV, j'ai ma miniature quoi. Moi, ah il y a quand même quelques personnes qui étaient là. Heureusement, parce que sinon pas ouf quoi. Moi, la qualité est éclatée. Mais ça, si la qualité est éclatée, c'est YouTube qui fait de la daube. Voilà, simplement. Par contre là, je veux que ça passe à 1000, mais genre instantanément, ok. grand plaisir de te voir jouer sur ce jeu Train. Mais ouais, mais j'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte parce que bah c'est un très bon jeu. Et j'avais trop envie de jouer dessus. Donc au lieu de parler là, on va lancer le jeu. Et on est en fait parti. C'est parti les gars, let's go, on lance le jeu. Le son, normalement le son devrait être bon. Et let's go, regardez-moi ça. Train Simulator, attends juste, je mets ma caméra correctement. Voilà, ok. C'est parti. La ligne LGV est vraiment trop cool, tu verras. Ah ouais, ok. Les gars, on va découvrir ça ensemble. J'ai trop hâte. Tu vois, oui les gars, j'ai dû acheter le DLC parce qu'aujourd'hui on va pas rejouer sur un jeu normal, on va jouer sur le DLC. Ok. Attendez, j'ai ma caméra, je vais juste la mettre un tout petit peu plus grande. Hop là. Ça sera un peu mieux. Donc ça c'est bon, ça c'est le truc du jeu, ok, cool le jeu. J'ai eu peur. Merde, voilà. Si t'as besoin, je m'y connais. Ok les gars. Ok. Normalement, il y a deux personnes avec moi qui sont là, il y a trois personnes avec moi qui seront en vocal. Si jamais j'ai besoin d'aide, mais pour l'instant on reste entre nous. Et c'est parti. Alors ok, donc voilà, du coup on avait donc de base le London Underground, donc c'était notre, voilà, on avait testé le truc Cold, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est le train on va dire qui est un peu plus rapide, ça on l'avait testé avec un abonné aussi, c'était aux États-Unis les gars, on reviendra, en fait on va faire le TGV aujourd'hui et on testera le truc, enfin le reste plus tard si on a le temps, et ensuite il y a ça, le LGV Méditerranée qu'on va tester, donc c'est parti en fait, les gars c'est parti, on gagne la musique, bonne annonce et let's go, ciao t'es le boss, merci les gars. Je te kiffe, je te suis depuis FF17. Ok, introduction au TGV duplex série 200. Vas-y, on écoute ce qui se passe. C'est parti. Oh, le son du jeu. Oh là là, le TGV. Bienvenue à Marseille pour cet entraînement à la conduite. Trop chaud. Aujourd'hui, vous apprendrez à manœuvrer ce TGV duplex série 200 de la SNCF, oui, en livrée Carmillon. D'accord, Carmillon. Lors de cette brève introduction, nous allons vous présenter les commandes essentielles de conduite et de transport des passagers. Oui. Montez à bord pour démarrer. Ok. Les amis, c'est parti. Donc là, on est à la gare. Est-ce que vous savez dans quelle gare on est, les gars, dans le chat? Dans quelle gare sommes-nous? Et graphiquement, le jeu, il est vraiment beau, hein. Il est vraiment trop beau, le jeu. J'aime trop. Est-ce que c'est un TGV qui est là-bas? Oui. Du coup, attends, du coup, ça, c'est une gare où c'est qu'il y a... Mais mec, vous avez vu? Ok les gars, on monte dans le train, c'est parti, on rentre dans le train les gars. Menu pause, ok, Marseille-Saint-Charles, on est à Marseille.
Est-ce que la gare de Marseille, elle est vraiment bien faite? Et regardez les reflets et tout. Oh, c'est quoi? Mec, on entend les moteurs. On entend les moteurs. Ok, on est à Marseille. Ok, donc c'est parti. On rentre dans le train, les amis. C'est parti. On ouvre la porte. C'est incroyable. Ok. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps. Ok. C'est où le conducteur? C'est là? Oh, attendez, est-ce que vous pensez qu'on peut... Attends, est-ce qu'on va... C'est quoi ça? Oh, c'est les moteurs. C'est les moteurs, gros. Vas-y. Attendez, je ferme cette porte parce que ce serait... Non, non. Voilà. Attends, mais du coup, on peut pas aller c'est-à-dire qu'on peut pas aller dans les passagers quand on est dans la locomotive d'avant. Ok. Vas-y, juste la porte. Voilà. Oh, c'est calme. Oh, c'est calme. Ok, donc c'est limité à 320. Les gars, on va rouler comme jamais, les gars. On va rouler comme des fous. Ok, donc là, on arrive. Yo, ceux qui viennent d'arriver, les gars. Hugo, le chat. Pour commencer, vous devrez appuyer sur le bouton annuler le maintien de service pour prendre le contrôle de ce service. Ok, c'est où? Ah, c'est ça? C'est quoi le main? Les gars, dans le chat, c'est quoi? Ok, attends. Je vais me démuter, je ramène les gens sur Discord. On dit bonjour ces deux personnes qui étaient là la semaine dernière, qui savent, qui s'y connaissent vraiment. Les gars, je veux que dans le chat, je veux qu'il y ait des queues. Yo. Allô? Oui, allô? Oui, ouais, bonjour. Bonsoir. Bah, ceux qui étaient là la semaine dernière, du coup. Bah, c'est vous deux, du coup, c'est ça? Oui, c'était bien ça. Ok. Bah, du coup, j'espère que vous allez bien, les gars. Ben ça va bien. On est en stream et du coup je suis dans le TGV et j'avais déjà une première question déjà de base. C'est quoi annuler le maintien de service? Tu veux le faire Féro ou pas? Je crois que c'est un frein si je me trompe pas. Alors ouais, en fait c'est plus qu'un frein. En gros, si tu veux, quand t'es en maintien de service, la caténaire, donc en gros le fil qui est au-dessus, ouais, est en contact avec le pantographe pour en fait que à l'intérieur il y ait toujours l'air climatisé, la lumière, etc. Le courant, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Ah ouais. Et en gros, juste ça met un frein, genre en gros tu peux pas le démarrer si t'annules pas le maintien de service. C'est juste une sécurité, quoi. Ok. Vas-y, ok. Bon, alors du coup je clique sur ça. Okay. Lors d'une opération normale, cette rame puise de l'électricité à partir de la caténaire via un pantographe. Cependant, puisque le pantographe est actuellement abaissé, vous devez mettre en route le système d'initiation en allumant la batterie d'oxygène. Il y a une armoire indiffusible. Ah, donc en fait, ça a baissé le pantographe et du coup, faut quand même que je le remonte. Ouais, c'est ça. En gros, ça l'a baissé et tu le remonteras après, tu verras. Bah, limite de le monter maintenant. Mais du coup, voilà. Attends, maintiens l'interrupteur de puissance auxiliaire pendant 5 secondes. What? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Pour activer le pupitre, positionnez l'interrupteur principal sur on. Ok. Interrupteur principal. Bim! Wow! Maintenant, activez le pantographe à l'aide des positions normales et C sur les différents interrupteurs rotatifs. C'est la NASA le bordel. Entre en contact avec la caténaire. Un peu, oui. Ok. Et maintenant, il me dit quoi? Attends, positionner le mode pantographe sur C. D'accord. C. C'est quoi la différence entre M, C et LGV? Alors, M, c'est pour tout ce qui va pas être ligne française. C, c'est pour tout ce qui va être gare, ligne à 1500 volts. Et le LGV, c'est du 25 000 volts. Ah ouais, ok. Ok, et du coup, sélectionner le pantographe ABC. Du coup, je mets quoi? Normal, secours, local. Tu mets en normal du coup. Normal. Et du coup ça se lève là. Si tu mets en normal, doit être utilisé dans la zone de Marseille. Là, il m'a dit ok. Le réglage LGV doit être utilisé en dehors de Marseille. Ok. Et le réglage M est utilisé dans les autres zones de la ligne générale par contact à courant alternatif. D'accord. Tu peux bouger ta caméra. Mais en fait, ta caméra, il n'y a rien qui gêne, les gars, vous inquiétez pas. Être paramétré pour permettre à la puissance d'atteindre l'intégralité du train. Ok. Ok, donc du coup les gars, pour l'instant on est dans le train, tout se passe bien, on a démarré tout ce qu'il faut, il y a les phares, etc. Bonsoir les gars, est-ce que vous... C'est incroyable, un train. Et du coup j'ai installé plein de livrées, donc logiquement, on pourra choisir après la livrée, ou peut-être qu'on peut la choisir maintenant, ou c'est là, c'est les didacticiens. On pourra le faire après, ouais. On vas-y, pourra ok, faire. Ok. Bah logiquement, si tu les as déjà installés sur le jeu, bah t'as fait ce que je t'avais envoyé J'ai installé le... Ouais, depuis la vidéo, j'ai tout suivi. Ouais, ok, ça marche. Et ben en gros, si tu veux, logiquement, si c'est bien fait, dans les scénarios, tu croiseras des trains avec des livrées spéciaux. Ok, vas-y, ok. Si ça bug, c'est vous. Ouais, il y a des bugs. J'habite à Montauban, Négropolis. Ok. Du coup, préparer le train, activer le disjoncteur. C'est celui-là.
Ça fait quoi ça? What? Maintenant que le disjoncteur est réglé, il va devoir être armé. Pour cela, utilisez la commande. Oh, c'est complexe, hein. Donc là, j'arme le truc. Et ça fait quoi? Ça met le jus dans le pantographe. Réglé automatiquement. En gros, quand t'allumes le disjoncteur, tu mets le courant. Ouais. Et tu armes pour en fait bien l'envoyer. En gros, c'est vraiment genre une double sécurité. Okay, parce qu'en gros, comme tu changes de pantographe et de 15 000 volts à 25 000 volts, et ben tu dois couper le disjoncteur et tout. Donc il y a énormément de sécurité là-dessus. Ok. Yo, ça vaut la patate ou quoi? Ouais, la patate de ouf, hein. Bah, il y a des bugs à ce qui paraît, c'est YouTube qui fait de la merde. Moi, je bug pas. Alors, ensuite, comment ça se passe? Là, il faut que je. Ouvrir les portes des voyageurs à gauche. Oui. Ça s'ouvre. Peut-être. Est-ce que ça s'ouvre? Oui, embarquement des passagers. Tu vas en haut. Ouais, je vois en haut, ouais, ça monte. Moi, je suis sur le téléphone. Ok. Donc là, on est bon. Vous devrez ensuite procéder au test de freinage. Ok, test du freinage. Cela garantit que tous les freins fonctionnent correctement avant de. Oh, les gars, on va conduire un TGV, quoi. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de maintien des freins pour maintenir ceux de la voiture électrique menante dans leur état actuel. Oula. Et éviter tout déplacement inopiné. Cela signifie que pendant ces tests. Ouais, c'était trop compliqué vous ne verrez là. Pas le manomètre du cylindre de frein de la locomotive bouger. Ok. Les gens ils disent bouger la caméra, mais les gars, il y a rien qui gêne en fait. J'en vois, il y a rien qui montre enfin quand je. En même temps, YouTube est pas fait pour live. Bah en vrai c'est de ouf. Alors attends, appuyez sur le bouton de maintien du frein. Alors le frein, il est là. Donc là je freine. Ok, là je mets le frein d'urgence. Maintenant. Non. Appuyez sur le bouton de freinage d'urgence. Ok. Ah, c'est bon. Utilisez l'interrupteur du neutre frein pour désactiver le levier de frein. Le voyant bleu s'affichera, indiquant que la. Ok, j'ai appuyé. Donc là, j'ai fait quoi en fait exactement? Je sais plus ce que j'ai fait. Là, t'as fait maintien du frein. Donc là, c'est pour en fait que tu puisses effectuer tes tests, voir si les freins fonctionnent bien. Ensuite, t'as mis le frein d'urgence pour voir s'il fonctionnait bien. Ok. Ensuite, t'as activé le neutre frein qui permet en fait de faire comprendre à la locomotive que c'était le test. D'accord. Là, tu dois désenclencher le frein d'urgence. Ah oui, d'accord. Là, c'était un faux frein d'urgence, quoi. Hop. C'est ça. Okay. Vous pouvez maintenant réengager la commande des freins. Désactiver en utilisant l'interrupteur et notre frein. Ok, c'est bon. Clairement, on fait tous les tests avant de partir. Vous allez tester le freinage d'urgence. C'est ça. Vous allez tester le fonctionnement du freinage d'urgence. En soi, tu fais un test sur 15. Dans un TGV, il y a 15 tests à faire avant de partir. Maintenez le frein de train dans la position de desserrage pour monter la conduite de frein sur 5 bars. Ok. Donc là, je me mets sur quoi il a dit? Non, desserrage. Je crois que c'est ça. Ouais, desserrage. Oui. Jusqu'à que j'ai monté à 5 bars. C'est ça le. C'est où les 5 bars? Je suis à 7, c'est normal? Le gros du dessus, le gros du dessus. Ah ok. Bah ça monte pas. Mais il faut que tu restes appuyé sur desserrage. En fait, c'est le train français, il fonctionne comme ça. Attends, du coup, hop. Desserrage. Là, c'est bon. Maintenez appuyez la commande du frein de train jusqu'à ce que la conduite de frein indique à peu près 4 bars. Et maintenant, tu dois le faire redescendre à 4 bars. Ok, what, mais pourquoi faire tout ça? Là, c'est pour voir si tout fonctionne bien en fait dans la vanne d'air. Ok. On fait des tests, les gars. Le freinage est désormais entièrement. Merci pour vos pouces bleus, les gars. Merci, les gars. Alors, maintenant, positionnez l'inverseur sur marche avant. Ok, donc là, on va commencer à partir. Alors, attendez. Marche avant. Hop là. Clac. Marche avant. Oh, ça fait un bruit. Il existe 3 modes de conduite sur le TGV. T'as démarré la loco. Attelage et dételage. Ok. Dans ce mode réservé aux manœuvres d'attelage, la vitesse est limitée. Ouais. Commande manuelle. Ah, faut fermer la porte. Il s'agit du mode habituel pour conduire sur les lignes classiques. Ok. Super. Et vitesse sélectionnée. Ce mode utilise la commande sélecteur de vitesse et est utilisé par le conducteur sur les lignes à haute vitesse pour fixer la vitesse de croisière maximale. Pour le commencer, train. Sélectionnez le mode commande manuelle puisque vous êtes sur une ligne classique. Ok, je vais le faire, mais attends, je vais regarder d'avoir les passagers. Comment c'est à l'intérieur des trains? Mec, est-ce que c'est exactement le même truc? C'est exactement le même. C'est vrai que ça ressemble, hein. Bah y'a rien. Ah non, on est à l'avant de la loco, ok. Ça c'est quoi ça? C'est les classes normales? Est-ce que c'est pris en compte les classes affaires, enfin classes business et tout? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, je vais pas te mentir. Place, mais c'est vraiment stylé, hein. Non, les places et tout. Là c'est le deuxième étage. Les gars, qui c'est qui est déjà monté dans un TGV? Dites-moi dans le chat et voir si ça ressemble. C'est quoi cette porte là? C'est censé aller vers où là? Je sais pas. Ok.
Bon, on repart. On va essayer d'attendre. Je teste un petit peu avant de partir. À part si on a du retard, mais je pense pas que c'est le tacticiel. Oh là là. Moi, il y en a plein qui sont montés dedans. Eux, ils font leur vie. C'est vraiment stylé. Bon, allez, on redescend, les gars. On redescend. Tac, tac, tac. Ah ouais. Quelle est la différence entre première classe et seconde classe? Je sais pas. Ça ressemble de ouf. Bah ouais. Vas-y, bah les gars, on rentre dans le train, on ferme les portes et on se barre. On se barre. Hop. Là, on ferme la porte. On ferme la porte et on va dans le train. Ça ressemble beaucoup trop. Bah j'espère bien, c'est un peu un jeu de simulation. Alors maintenant, positionner le mode de conduite sur commande manuelle. Alors, commande manuelle. Atteler, dételer, c'est quoi? C'est pour aller plus lentement, peut-être? Je sais pas, non? Atteler, dételer, non, c'est quand t'es en manœuvre. Et ça change quoi, en fait? En fait, c'est pour... voilà. On est limité, ok. Et après, il y a vitesse sélectionnée, bah, c'est quoi? C'est le régulateur, non? Ouais, c'est ça. Ok, donc commande manuelle. Ok, ok. C'est l'heure du départ. Verrouiller les portes. Verrouiller les portes. C'est quoi, ça? Attends, il y a... Ouvrir, fermer... C'est bon, là? Non. Merde. Ça marche pas? Ah, c'est bon. Ouais, là, celui du milieu. Faut attendre. Est-ce que c'est bon, là? Attends, c'est quoi, les caméras? On peut changer les caméras ou pas? Dans le cadre de cette introduction... Non. 1, 2, 3... Jusqu'à Aix-en-Provence. 1, 2, 3... Et la 8, c'est la caméra libre, enfin, tu peux déplacer avec tes flèches. Sur le bouton de maintien des freins. Ah oui. Vous devriez voir le voyant jaune s'éteindre. Attends, je regarde. Oh, c'est moi ça. Ensuite, le frein de train en position d'essayage pour relâcher les freins. Alors maintenant, appuyez sur le bouton maintien des freins. Donc c'est là. Et là, du coup, ça fait quoi? Ça va desserrer le frein de parc? Enfin, le frein de là, parc. Ça te met en frein. C'est toi qui gères le frein maintenant. Ok. Maintenez le frein sur desserrage. Que l'aiguille BPC soit sur 5 barres. C'est bon. Le train est maintenant prêt pour le départ. Oh, on part. Appliquez une légère traction pour vous déplacer. Pourquoi il avance tout seul? C'est normal, ça, c'est que ton manipulateur de traction est sur le cran numéro 1. Oh merde. Et ok, bah, de toute façon, on peut. Ah ouais. Vas-y, je le mets sur 30%. C'est bien pour partir, ça, ou faut plus? Ouais, ouais, c'est bien. 30%. Les gars, on part. Le klaxon, c'est où? Espace, c'est N. Bah y'a que un seul? Ah non. Oh, trop stylé. C'est incroyable. Ok, donc le, là... Le son du klaxon est fou en plus. Mais non. Oh merde, j'ai mis l'alarme. Oh putain, j'ai appuyé sur B. J'ai mis l'alarme, c'est normal. C'est les sécurités, hein. T'en fais pas. Je t'expliquerai après. Enfin, j'expliquerai okay. Plus tard. Donc là, faut que j'accélère jusqu'à 30 km/h. Donc on va ralentir déjà un petit peu. Parce que je suis déjà à 26. Avancer en roue libre est une méthode efficace qui permet de se déplacer à une vitesse constante tout en réduisant la tension du moteur. La vitesse, les gars, elle est en bas à droite, hein, si vous voulez voir. Ou au milieu de l'écran. Rouler à 30. Là, je vais trop vite là. Je mets à 6. Waouh, 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 on est sur les. Là, en vrai, tu peux rouler en roue libre. Hein. Tu peux. Je mets off. Ok. Ouais. Et roue libre, ah ouais. Il est important. Il n'y a pas de dénivelé, donc du coup ton train il s'arrête si dans 3 km. Maintenez le levier de frein en position serrage pour ralentir. Non, c'est plat pourtant, ouais. S'arrêter à l'emplacement, ok. Et c'est quoi tous ces feux? Il y a des feux. Pourquoi ils sont rouges les feux là? Parce que c'est pas tes voies. Là okay. Tu vas prendre la verte. Ok, on prend la verte. Portique. Et ça, c'est réaliste les... Oui, absolument. Alors, deux feux rouges, ça s'appelle un carré fermé. Donc, en gros, interdiction formelle de passer. Si tu passes, tu es mis à pied. Ensuite, il peut y avoir un feu rouge. Si c'est un feu rouge, tu as autorisation de t'arrêter puis de continuer en marche à vue, c'est-à-dire pas plus de 30 km. Il y a un feu rouge, ah, non, c'est pas ma voie. Ok, c'est bon. Okay. C'est pas sur ta voie. Et après, feu jaune, le prochain, c'est un rouge. Et feu vert, tu peux y aller. Ah, mais je peux accélérer là en fait. Merde, ouais. Je fais quoi là? Ouh là là. Un peu de bouton. Mais attends, mais j'ai. C'est quel bouton là? Traction. Ok. Ah, mais il y a à droite et à gauche? Ouais, c'est ça en fait, les deux sont collés. D'accord, vas-y, je me mets à 50%, on doit axe. Non, c'est bon, ouais, c'est bon là. Ok, donc là on accélère. On a 17 km donc on a le temps. Hein. Là on sort. Oh, c'est stylé. Bah ouais, pour l'instant c'est pareil que les autres trains, y'a rien qui change. Alors là par contre tu vois ce que je trouve qui est un peu mal fait mais bon ça peut être fun, c'est que genre en fait peu importe si t'es à 300 ou 320 km/h, si tu te lèves et que tu veux sortir tu peux descendre du train.
Genre là, si je me lève, ça, on peut descendre. Tu peux aller descendre du train, tu peux aller ouvrir les deux portes et ouais, descendre du train. Et logiquement, en vrai, c'est pas possible. Bah, en soi, tu peux, mais bon, tes risques et périls, quoi. Tu crèves à 320 km. Non, mais je veux... mais oui, je veux dire, y a pas de sécurité, le train il s'arrête pas ou quoi. Non, pas dans les TGV. Ah ouais? Non, mais même dans tous les trains. Bah, sur les derniers modèles, là, en fait, si tu veux, ils sont en train de... Attends, je l'actionne. Ils sont en train de... Merde, j'ai mis l'alarme, fais chier. Attends. Très stylé, mais par contre, c'est la même livrée, ouais. Ouais, à mon avis, dans les prochains scénarios, ils seront installés. Les gars, c'est mon train, regardez. Incroyable, c'est moi qui conduis le train, quoi. Enfin, le bruit des... sur les rails, c'est vraiment bien fait, hein. Ah, il est fou, mais... Le sound design est génial. Le son, il est vraiment bien fait, les gars. Si, il y a VACMA. C'est quoi, VACMA? Ah, la VACMA, c'est la veille automatique... Ah, voilà, c'est ça, ouais. ...de conduite marche-arrêt, ouais, c'est ça. Ok. Merci, les gars, merci pour vos pouces bleus. Hein. N'hésitez pas à liker si vous kiffez. Mais moi, enfin, j'adore ce jeu. Genre, je sais pas, j'adore. Oula, bande doucement. Là, on en est à 93. Non, on va accélérer, en fait, là. Je peux accélérer, là, à 130 ou je sais pas plus. 140, là, c'est... Vas-y. Donc là, je suis à 7 de traction. Ouais, c'est ça, je crois. Tu vois, tu vas monter petit à petit et tu verras après. Il va te montrer comment. Et là, attends, je vais. Attends. Merde. Merde, j'appuie sur la mauvaise touche à chaque fois. C'est. Ok. Ok, donc là. Dans 1 km, c'est le feu vert, c'est ça, ça veut dire c'est... Ouais, c'est ça. D'accord. Mais ça, on le sait en vrai, on le sait comment. Il y a des écrans qui disent quoi. Non, on le sait pas. Regarde, si t'appuies sur F1, tu vas voir, tout va s'enlever. Tu vas plus avoir aucun HUD. Ah ouais. Et moi, je joue comme ça, par exemple, tu vois. Et c'est bien. Bah, du coup, en fait, c'est comme quand je conduis des trains. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, du coup, que tu sais, comment tu sais les limitations. Et ben. Oui, c'est ton métier, c'est vrai, mais. Quand tu sors de Marseille, en fait, t'as les portiques. Fait... Donc, portique 1, portique 2 et potence 3. C'est en gros 30 km/h, soit 110, 120. 60, 110, 120, pardon. Ok. Et du coup, bah là, du coup, tu vois. Attends, il me parle. 40 parce que t'as passé le... Attends, il me dit quoi? Attention sur le train pour continuer. Il faut que vous je fasse quoi? Le faire sans arrêter le train. Il faut que je baisse la tension. Bonne galère. Il faut que je mette sur off. Ok, je mets sur off, c'est bon. Puis fermer le disjoncteur. Je mets le disjoncteur. Comme ça? Non. Abaisser le pantographe. Si c'est bon. Positionnant le commutateur sur ABC. ABC. Donc là, on n'a plus de jus dans le train, ça veut dire. Puis, c'est ça, il est en roue libre. Commutateur du mode. Et comment il y a encore de l'électricité? Bah, il a des batteries. Ok. LGV. C'est bon. Il faut relever le truc, c'est ça? Pas tout. Si c'est bon. Attends, non, pas tout de suite. Emplacement de changeur d'alimentation, tu vois, qui arrive dans 1 km. Donc là, on est en roue libre, quoi. Là, on se laisse aller, quoi. Donc là, si tu veux voir, sur la gauche, tu vas avoir un petit panneau avec genre deux fers à cheval géométriques qui vont, enfin, beaucoup plus carrés, qui vont, en fait, c'est le signal. Donc juste après. Alors, je sais pas si tu l'as vu là, les deux panneaux. Ouais, ah oui. Un peu bizarre, c'était deux aimants collés, entre guillemets. Mais en gros, ça veut dire lever panto. Donc là, je peux lever là. Et... Bah du coup, non, là logiquement tu dois lever pour changer, là c'est le moment où tu changes, et là tu vas voir sur le côté il y a une pancarte qui va s'appeler Rêve. Cab. Et en gros, ça veut dire que ton train, peu importe si t'as une ou deux rames, il est passé. Et du coup tu peux relever ton panto là. Normal, il faut que je fasse... Attends. Faites-le dès maintenant en basculant le sélecteur sur la position. Et faut que tu bouges le petit cran que t'as bougé tout à l'heure pour baisser, faut que tu remettes sur ton panto. Normal. Ok, c'est bon. Voilà, et c'est bon. Et donc là, il y a du jeu. Voilà. Normalement, tu dois réarmer le disjoncteur. Jusqu'à la vitesse indiquée sur l'affichage. Donc logiquement, disjoncteur armé. Ok, c'est bon. Bien joué. Donc là, il y a le jeu. Et là, t'as du jeu maintenant. Et là, tu vois, t'as la limitation qui est affichée du coup. Ouais. Sur ton panneau devant. Et ça, c'est quoi l'écran tout à gauche que je veux voir là? 10 000, c'est la. C'est l'heure. Ah, ok. Ok, je crois que c'était genre la puissance ou quoi. Mais là il fait nuit, c'est normal que ma cabine s'est mise en nuit là? On dirait qu'il fait noir. Déjà tu peux remettre de la traction et c'est parce qu'on est dans un tunnel. Ok. Donc là vas-y go traction. On peut accélérer à combien du coup là? À 100%, vas-y, parce que tu vois t'es limité à 300. Les chiffres qui s'affichent en fait c'est la limitation.
Donc là, on peut tracer en fait là. Là, tu peux aller à 300 en sachant que dès que ça clignote, ça va descendre petit à petit. C'est-à-dire que là, t'as un arrêt dans pas longtemps, tu vois. Tu t'arrêtes dans 8 km avec Aix-en-Provence. Ouais. Donc, du coup, là, tu vas avoir 300 km/h. Ensuite, t'auras 270. Ensuite, t'auras 230. Ah ouais. Ensuite, 200. 170. Et après 170, c'est l'arrêt. Mais là, les. Oui, 270, ça me dit là. Là, ça met 270. Et bah, du coup, tu vois, là, tu devrais pas dépasser 270, mais en soi, comme t'es toujours en accélération, tu peux encore monter. Ok, ok, mais là, ça monte un peu, ouais. Ok. Salut, Homer Gangster. Je ne sais pas qui tu es, mais salut à toi. Stylé, stylé, stylé. Tu es avec le TGV. Bah, ouais, on teste, hein. On teste, les gars. Ça a l'air propre, mais. J'avais jamais découvert ça. Tu connais bien le TGV. Ah, moi, je connais rien, moi, les gars, je découvre tout, là. Ok, bah non, on est encore dans le tunnel donc pour l'instant on voit pas grand chose. Mais de toute façon, dès que t'en sors, t'arrives à la gare, hein, dès que t'en penses. Va à 300, mais les gars, je suis à fond. Je suis à fond, mais juste que. Ça sonne, c'est quoi ça? 230, ok. Et on arrive dans 6 km, je sais pas si c'est rapide ça. Tu réponds au message? Oui. Normalement, t'es en galère parce que c'est en une pente. Ouais, c'est à 0,7 là, je suis à fond, mais il galère. Bah ouais, succès déverrouillé. Ok. Ok, ok, ok. Le mec qui t'explique vraiment propre. Bah ouais, merci les gars, en vrai, merci. Ouais, c'est cool que vous soyez là. Ça, au moins 230. Ok. On a encore le temps, on est qu'à 160 km/h. Pourtant, je suis à fond. Hein. Fais du bus simulateur. Ouais, on testera. 200. Bah, du coup, je ralentis un peu la traction. Hein. Ça va faire en descendant là, la vitesse. En soi, tu vas sortir du tunnel. Dès que tu commenceras à plus trop avoir de dénivelé, tu pourras te mettre en. Force de ouais, freinage. Ouais, vas-y, lâche la traction, mets-la sur off là. Là, il me dit de mettre en freinage. Pour assurer un arrêt en douceur. Merde. Je mets en off là. Voilà, tu te mets en off. Et tu peux donner un petit coup de frein parce qu'il te demande, mais en soi. Freinage, combien je mets à 7%. Je sais pas si c'est bien. Oh, on sort le tunnel. Oui. En soi, logiquement, il faudrait pas trop freiner avec celui-là, il est pas efficace du tout. Ok. C'est le frein électrique. Donc en soi, je te conseille plutôt de prendre celui, tu sais, où t'as fait les tests avec les jauges et tout. Ok. Donc là, faut que je mette pas de frein sur celui-là. Là, je mets en off. Et le test, c'est sur. C'est le frein. Serrage. C'est la petite baguette. Ouais, et tu le mets sur serrage. Tu vas pas plus loin parce que sinon, ça va freiner sale. Et t'es pas bah, ça freine sale là. Voilà. Oui, voilà, ça freine sale parce qu'en fait, si tu veux, la jauge. Donc là, tu patines. Là. Donc remets-la sur des serrages. Okay. En gros, le frein il fonctionne par jauge, c'est-à-dire que quand tu vas à 4 bars, il va freiner un petit peu. Si tu veux freiner un peu moins, tu dois remonter un petit peu l'aiguille. En fait, il faut t'orienter au niveau de l'aiguille. Ah, si tu ouais. laisses appuyer sur serrage, c'est pas comme les autres trains où genre ça va serrer. Genre par exemple, tu vois sur une voiture, quand tu appuies sur le frein, si tu relâches, ça genre ça arrête de freiner. Et ben là, c'est le contraire. C'est-à-dire que si tu le lâches, ça continue là, à freiner ça freine, là ou pas, où là t'as mis là-bas. Ça freine pas là. Là, ça freine, ouais. Si, ça freine. Ah ouais, merde. Parce que c'est sur 5 bars que ça freine pas. Donc là ça freine plus. Là tu peux. Voilà. Là ça freine plus. Et là tu peux te mettre en off, aller en roue libre. Ok. Ouh. Donc là du coup on arrive. Ah et du coup le pantographe il est baissé. Ah mais c'est un autre qui est levé du coup. Ouais, c'est celui qui est derrière. Ah ouais. Celui qui est derrière parce qu'il est dans le sens de la marche. Ok, ok. Pour éviter de l'abîmer. 170, bah du coup je suis large là. Là du coup on arrive dans la gare, mais du coup est-ce que tout est réel, enfin est-ce que du coup c'est fait vraiment oui. Ah ouais tout est vraiment... Tu peux commencer à mettre un petit peu de freinage si tu veux. Donc serrage Mais il faut le mettre à combien de barres du coup? Mets-le à 4 là pour le moment et tu le desserreras après. Là je suis à 4 là. C'est quoi le ce qui va s'afficher là devant moi? Ça veut dire que c'est l'arrêt. Mais ça freine pas assez là si? Si ça va, si largement, t'inquiète. Et okay. En soi, t'es pas obligé de t'arrêter sur l'arrêt directement. Tu peux t'arrêter un peu plus loin tant que t'es sur le quai, mais là ça va y aller là. Non, ça va pas là. Limite, lâche le frein limite, hein. Remets-le à 0 et tu vas jusqu'au bout. Et dès que t'arrives dans la zone, reste appuyé dessus par contre parce que sinon il va pas remonter jusqu'au bout. Attends. Oh non, je fais de la merde là. Parce qu'en gros, tu vois, le frein il est pas remonté à 5 bars. Ah, donc tant qu'il est pas à 5 bars, il freine toujours. Attends, c'est mais ça, du coup, attends, c'est ça va pas là. Du coup là tu vas repartir un petit peu et tu vas pouvoir t'arrêter. Genre par là non? Ou plus loin même? Ouais là va reste en off et tu vas voir t'auras des petites pancartes qui vont s'afficher en haut à gauche. Enfin qui vont s'afficher qui sont là et ouais. TGV 1 et TGV 2 au bout du quai. Et okay. En gros TGV 1 bah c'est là où tu devras arrêter ton premier TGV. W, ok ok, MDR t'as plein de... Ça va je me suis trompé, ça va. Là il y a marqué V. Ça c'est les marquages d'arrêt ça.
Store. Oh mais non. Bah là je suis en roue libre, là. Je me laisse aller. Heureusement que ça descend un peu. La gare de demain. En soi c'est pour là c'est vraiment pour découvrir, tu vois, t'as le droit de faire des erreurs. Et du coup c'est après qu'on t'engueule. C'est vous qui marquez le TGV là. Logiquement elle devrait arriver sous le premier porche, là tu vois il y a une petite pancarte noire et entourée de blanc, là tu vas pouvoir commencer à freiner. De noir entouré de blanc. Entouré de ah blanc, oui TGV 1. Porche, là. TGV okay. 1 voilà. Et donc ça c'est quand t'as une rame. Et au bout il y a marqué TGV 2, c'est quand t'as deux rames. Là ça freine pas là si. Si. Ça a descendu sur les 4 barres, ça va freiner tout doucement. Ok, voilà. C'est bon, je suis arrivé. Tu vas pouvoir ouvrir les portes du coup. Est-ce qu'il y a un frein à main à mettre ou ça on laisse comme ça? Enfin genre en mode. Non, pas du tout, c'est le frein. Okay, faut juste le laisser parce qu'il n'y a pas de sécurité. Genre si tu l'enlèves, le train il va continuer à partir. Ok, donc là du coup les gens ils sont là, ils montent là. Mm. Bonjour, allez on embarque. Et du coup la gare elle est vraiment bien faite ou. Enfin je sais pas si tu. Aix-en-Provence. Bah disons qu'il y a pas les décors à côté mais. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais en soi. On tous con ici. Ah ils sont buggés. Les PNJ sont. Mais c'est franchement c'est vraiment bien fait votre train. C'est incroyable. Les gars n'hésitez pas à partager le live. Déjà le liker comme jamais ça fera plaisir. Saute du train, alors peut-être pas. Vas-y on repart. C'est pas terminé, c'est terminé. Donc on monte, on referme. On revient là. Bon les gars on va tracer un peu parce qu'on n'a pas accéléré vite là encore. Verrouiller les portes. Donc je verrouille la porte. Est-ce que ça se ferme là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est fermé? Normalement en cabine t'auras okay, une sonnerie. Bon. Ah ça fait dling. Ouais c'est ça. Donc là je me mets en 5 barres, c'est ça? Ah oh, bah c'est fini. Ok c'est fini. Oh là là, va wagon bar les gars. Bah les gars on va faire ça hein. Parce que là c'est que le début là, on devait tester juste. Hein. Est-ce que vous kiffez les gars dans le chat pour l'instant? Ok donc là. Bah là on va faire un vrai scénario ça veut dire. Et là si tu veux tu peux mettre un petit livret logique. Ah ouais de ouf on va faire ça. Bah. Hein. Là c'était. Faudrait que tu retournes au menu principal et t'auras. Si... Attends, ça va faire un truc là. Bof, oui, yes, de ouf. Bah ouais. Ah bah attends, du coup on va quitter. Je mets menu principal, c'est ça? Ouais, tu mets menu principal. Merci pour les 1500 pouces bleus, les gars. Et du coup, je fais quoi là maintenant? Tu vas dans. Pour faire le meilleur truc là que tu peux me conseiller. Dans explorer. Explorer, salut Larissa. Explorer, ouais. Horaire. Et en gros là si tu veux ils ont pris les vrais horaires d'un conducteur de train. Donc là logiquement tu peux choisir le TGV en bas, tu peux cliquer une fois dessus. Ouais. Sous ta tête logiquement sur le live. Ouais. Et si tu cliques une fois dessus t'as à changer de livret. Et là t'as à voir toutes tes livrets. Changer de livret. Et c'est... Ok. Voilà. Et là t'as toutes tes livrets. Oula c'est moche ça. Ah c'est celle que j'ai créée ça okay. C'est celle que t'as créée voilà. Et ouais. Après, c'est celle que je t'ai passée du coup. Donc, ça, et on prend laquelle du coup? C'est quoi la différence entre les deux là déjà? Bah là, c'est le chat qui décide là. Le chat, vous les comprenez quoi? Il y a quoi? Mais là, c'est pour l'instant, c'est toutes les mêmes là, TGV. C'est toujours pareil. Il y en a plusieurs qui sont pareils parce qu'elles ont que différents noms. J'ai pas de Ouigo moi. T'as pas les Ouigo? Bah non, je crois pas. Non, j'ai pas les Ouigo. Bah après est-ce que t'aurais pas mis plusieurs fois les mêmes sans faire exprès? Parce que là il y a deux fois les mêmes là par exemple tu vois. Ah peut-être. Le rouge. Celle-là. Ouigo. Oh j'ai pas la Ouigo. Oh non. Bon bah dommage hein. Bon au pire c'est pas trop grave. Vas-y on va se mettre en normal, en TGV normal du coup. Pourquoi il n'y a pas écrit SNCF en gros dessus là? Si il y a écrit. Ah non attends j'étais à fond. Ouais j'étais à fond. Je suis au max là. Bon bah c'est pas trop grave. Vas-y je vais faire comme ça. Bah désolé du coup hein. C'est pas grave. Vas-y du coup on met quoi maintenant là? Ah donc là hop. J'ai sélectionné. Ah what? Il faut que je mette quoi là? Et bah là tu choisis, t'as ton horaire. T'as par exemple le premier c'est tout ce qui est quitter le dépôt tout ça. C'est là c'est tu prends ta journée, tu sors la locomotive du dépôt, tu vas en quai et ensuite tu pars en... Il faut atteler les wagons et tout? Non, parce qu'un TGV, c'est une rame et tu peux pas enlever un wagon d'un TGV. Ok, ok. Bah du coup, on fait ça. C'est peut-être le plus intéressant, non? Bah si tu veux, comme ça, tu commences la journée puis tu enchaînes. Vas-y, comme ça, on fait toute la journée. Le bleu et gris, c'est bien bleu. Bah du coup, on a celle-là. C'est vrai qu'on a pas Ouigo. Mais après, bon, c'est le TGV, c'est plus la couleur que j'ai, non? Oh, il fait nuit. Donc là, il faut faire quoi, par contre? Il faut tout allumer ou c'est... Alors là...
Il faut déjà tu peux allumer donc sur ton pupitre en bas à gauche, enfin sur le pupitre genre que tu vois sur voilà. C'est ça. T'as une petite lumière alors ta luminosité des phares donc là tu peux le laisser comme ça ou pas. Et sur la gauche t'as un éclairage de cabine pour au niveau du pupitre. Oui, ok. Il est 5h11 du matin. Oh lolo. Oh le train. Ah ouais. Ah ouais c'est stylé par contre. Et pourquoi il y a des phares allumés? Ils sont toujours allumés les phares? Ouais, ça c'est le maintien de service justement. Ok. Mais quand il est éteint, il s'est toujours allumé quand même. Ouais. Bah pourquoi C'est pour sécurité, en fait, train rentre dans la zone. D'accord. Donc là, du coup, il faut que j'enlève le truc de service alors. Ouais. Donc là, je fais ça. Ouais. 5 secondes, c'est ça? Non, tu peux cliquer une fois. C'est un coup de poing. Parce que je vois pas ce qu'il y a. T'as juste à donner un coup. Bah ouais, t'as juste à cliquer un coup, ensuite tu peux allumer le disjoncteur. Donc là, du coup, je descends, je me mets derrière, c'est ça, non? Ouais, tu peux aller checker directement derrière. C'est ça qu'il faut faire? Je sais plus ce qu'il faut faire. La puissance auxiliaire, ouais, tu l'allumes pendant 5 secondes, c'est celle-là qui fait 5 secondes. Ok. C'est la allumée. C'est celle-là à gauche, voilà. Merde. Est-ce que c'est bon là? Bah du coup là t'es en train de l'éteindre. Oh merde. Là tu l'allumes, voilà. Si t'appuies là tu peux l'allumer. Attends, là j'allume celle-là du coup. Non, là tu l'éteins, tu vois, éteinte et allumée à côté. Ah merde. Et du coup faut l'allumer. Là elle est allumée ou pas? Oui. Là t'es en train de l'allumer là, voilà, là tu l'allumes. Et celle à côté, donc, elle est éteinte. Mais en fait c'est un pour l'allumer, un pour l'éteindre. Ah ok. Ok, bon là du coup c'est bon ça veut dire. Du coup en bas du panneau il y a encore, il y a 2-3 sécurités à faire si tu veux. Ouais. Pour rigoler. Vas-y. Alors c'est là à gauche, le premier gros loquet à gauche. Le premier gauche, gros loquet. Alors les gros boutons, je vais appeler ça les gros boutons. Ouais. Donc là tu vois t'as la batterie et à gauche t'as logiquement c'est la VACMA ou la TVM. On voit rien. Donc, mais celle juste en dessous, t'as le crocodile, okay. Voilà tu peux le mettre en normal. Ça change quoi ça? C'est pour avoir un petit peu plus d'RP en fait, pour t'auras beaucoup plus d'alarmes, t'auras beaucoup de bip bip dans ta cabine. Ouais. Tu peux faire celui, après c'est tous ceux que tu peux bouger, donc ceux à gauche logiquement tu peux les bouger, le celui en haut à gauche tu peux le bouger. TVM. Voilà, TVM, donc la TVM c'est ce qui te permet de voir ta vitesse quand t'es sur la LGV, t'as les 300, les 270 qui clignotaient. Ok. Normal du coup. Voilà, ensuite celui, donc tu le mets sur normal, tu le mets celui en dessous, voilà, t'y étais, dessus. KVB. Ouais, KVB, voilà. Et c'est quoi ça? Tu le mets en normal. KVB, c'est pour la priorité des trains, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un train met trop de temps, par exemple, à s'arrêter ou a du mal à repartir, le train d'après passera prioritaire et du coup, c'est le petit point jaune, tu verras qui clignotera, je te montre pas. Et du coup, là, ça veut dire que. Putain, c'est trop stylé. Les gars, on joue ta marre. Là, on commence, du coup, on prend service, il est 5h14 du matin. Et ok, vas-y, donc alors ensuite. Et du coup, il y en a encore en dessous, logiquement, il y en a encore KVB, un ou deux. Donc là, VACMA. c'est les petits pour le... Voilà, donc la VACMA, tu l'actives. Ça, c'est quoi du coup la VACMA? La VACMA, c'est la veille automatique, donc c'est l'homme mort. Ok. Et du coup, c'est bon, logiquement, pour ce panneau. Donc là, je. Tu peux retourner. Ok. Ouais, tu peux retourner. On voit rien, il fait nul là-dedans, mais il n'y a plus de jus, c'est éteint. Ouais, c'est parce que t'as éteint la truc auxiliaire tout à l'heure. Ah, il faut que je la remette. Remets-la un petit coup, t'as peut-être pas appuyé 5 secondes tout à l'heure, c'est pour ça. Ah. C'est sur le panneau derrière. Ah merde, c'est vrai, il fait nuit là. Puissance auxiliaire allumée. Il faut que je fasse quoi? Faut que je clique. Voilà, c'est ça. Et tu la laisses Une, appuyer. 2, 3, 4, 5. Logiquement, c'est censé la rallumer. Ah, c'est bon. Nous voilà. Ok. Donc maintenant. Maintenant, du coup, il y a quoi à faire? Alors, le petit bouton. Alors, sur. On va dire, t'as les trois panneaux, t'as les trois morpions. Ouais. Donc, en gros, celui à. Enfin, les deux morpions, du coup. Mais celui à droite, du coup. T'as le bouton du disjoncteur. Enfin, c'est pas le disjoncteur. Est-ce que c'est ça, là? Comment ça s'appelait? Armement alors, disjoncteur. Non, justement, c'est celui à droite. Celui à droite. Celui encore, celui tout à droite. Ok, maintien de service. Non. non, juste celui juste à côté encore. Ok, interrupteur principal. Voilà, c'est ça, interrupteur principal. Putain, j'ai oublié son nom. Tu l'allumes, les bibis. Ah, mes oreilles. Voilà. Ok. C'est bon, c'est allumé.
Là, du coup, tu vas pouvoir... Donc, tu vois le petit point jaune qui clignote, c'est ça le KVB pour te dire si tu es prioritaire ou pas. D'accord. Du coup, tu vas pouvoir, alors, lever le pantographe. D'accord. Donc là, est-ce que... Alors, le pantographe, si je me rappelle bien, c'est ça. Normal. Voilà, tu le mets sur normal. Très ok, bien. Il se lève, là. Il s'est levé. Ouais. Ensuite, tu vas pouvoir, du coup... aller sur les disjoncteurs, donc c'est les deux boutons que tu voulais que tu montrais quand je te disais. Je le mets on et après je l'arme. Tu le mets on et après tu l'armes, voilà. C'est bon. Donc là, il y a du jus qui passe dans le truc, c'est ça. Donc là, voilà. Et on voit où, la tension on reçoit. On la voit. Alors tu peux la voir à côté de ta vitesse. Ouais. T'as une petite jauge verte et rouge. Ah ouais. Et ben en fait, si tu veux, si t'enlèves le panto. Et ben, quand c'est dans le moins, ça veut dire que bah t'es pas en contact avec le fil en gros. Ok. KVB et contrôle voilà, de vitesse par balise. Ok. Ok, donc maintenant nous reprenons. Du coup, maintenant tu vas pouvoir, alors juste en dessous du disjoncteur, juste en dessous à droite, ouais. Tu vas avoir les. Éclairage d'instrument. Petits... Voilà, donc tu peux l'activer. Oh, ça c'est quoi ça? Ok. Et du coup, ça va te permettre de voir les jauges de nuit. Ok. Et ah ouais, gros, ok, on voit les. Si tu. Voilà. Et tu peux, avec le petit bouton blanc, augmenter. Je te conseille de le faire, tu vois encore mieux. Avec le petit bouton blanc, tu peux augmenter la luminosité. Ah ouais, on voit bien là. Ok. Ensuite, tu peux allumer aussi. Donc, si tu descends. Ouais. Si tu baisses un petit peu ta caméra, t'as deux boutons blancs de chaque côté. Au niveau, donc à droite, c'est la radio Soltrain, ça s'appelle. La radio Soltrain. Donc là, par exemple, tu vois, tu peux. Je te conseille d'allumer les... Ah. Ouais, alors là. Ouais, éclairage gauche. T'as trouvé le bouton magique. Donc là, c'est derrière sur les portes. Quand tu rentres dans le. Voilà, tu peux tout allumer. Donc là, ça veut dire que là, j'ai allumé le train. Alors là, si je vais dans mon train, il y a de la lumière dedans. Bah, dans ta loco, en tout cas. Tu vois, ça s'est pas allumé d'habitude, là, lequel. Et les wagons, ils sont éteints, c'est normal? Les wagons, ah non, sont non, allumés. Non. Ouais, c'est allumé, ouais. Mmh. Ouais. Et on peut voir la porte. Par contre, tu vois. Ah ouais. Oui, on peut, oui. Merde, je fais trop bas. Oh merde. Ah oui, du coup, je suis trop bas. Oh merde, ça sonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'en barre. Ça fait tut. Ouais, c'est la fermeture de la porte. Ah ouais. Ok. Alors, je reviens. Ensuite. Ensuite, eh ben, tu vas pouvoir mettre en marche avant. Avec le petit loquet sur ton pupitre, en haut à droite de ton pupitre. Alors en haut à droite de mon pupitre, marche avant, ok, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça part là? Non. Non, parce qu'il faut que tu te mettes maintenant aux commandes manuelles. Donc là, c'est juste à côté de la traction. Tu sais, t'as le petit bouton qui se tourne avec. Mode de conduite. Ok, voilà. C'est bon. Commande manuelle, du coup. Et là, après, je mets de la puissance. Tu peux klaxonner un petit coup. Alors là, faut desserrer les freins avant. Tu mettras 5 barres. Ouais. Oula. Donc là, mes freins, ils sont à 3 barres. Donc là, plus la pression descend, plus ça freine, c'est ça? C'est ça, exactement. Et 5 barres, c'est desserré à fond? 5 barres, c'est desserré à fond, ouais. Ok, donc là, c'est desserré et ça part ou voilà. Pas là? Et du coup, là, tu vas pouvoir partir et mettre de la traction. C'est parti. 25%. Et les niveaux des phares, il n'y a pas plus de phares, on voit rien. Si, alors c'est le petit bouton là où t'as éclairé ton pupitre que je te disais, et ben en non, fait alors okay. pas du coup pas l'éclairage de la cabine, voilà. Et là normal, t'as réduite. Voilà, réduite. Donc normal c'est plein phare et réduite c'est petit phare. Réduite. Logiquement quand tu croises un train, tu te mets en réduit et quand t'es tranquille comme ça, tu te mets en normal. En fait c'est super technique de conduire un train, mais de ouf hein, c'est quoi cette technique de ouf. Donc là on part, on va faire quoi là? Alors là, tu vas te poser au quai. Ok, donc là, c'est 5h. Regardez, il y a l'heure tout en haut, 5h20 du matin. On a préparé le train, on s'en va du quai. C'est quoi ça là? Là, c'est 20 km/h maxi, c'est sur ici. Ok, pas trop vite alors. Merde. 20 km/h maxi. Ok. Donc là, bah. Est-ce que t'es dans le dépôt? Et là, du coup, genre là, je peux aller voir. Donc là, je suis là, mon train il fait sa vie. Il avance. C'est joli, les effets de lumière et tout. Hein. Ah oui, non, mais je trouve que. C'est... Il est vachement. Les gars, vous trouvez quoi? Est-ce que vous trouvez que le jeu il est beau? Mais moi, je trouve que le jeu est vachement beau. Et là, on va là-bas, quoi. Il n'y a pas de passagers encore? Non.
Non, non, on va les chercher. Bah, y'a personne. À la gare. Bah, on se met à qui, ouais. Là, j'arrive. Il faut que je ralentisse ? Pas tout de suite, non, 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 tu peux attendre d'arriver au bout. Ok. Parce que là, j'ai combien de traction là ? Je suis en roue libre ? Ouais. Là, t'es en roue libre, ouais. De toute façon, c'est à 20 maxi, donc. Ouais, je suis à 18. Ça, ça freine pas en vrai. Après, tu vas monter à 30 après, kilomètre par maxi. Ça sonne ! Il se passe quoi ? On m'appelle ! Non. Alors, faut appuyer sur A logiquement ou une touche d'alarme. Voilà, c'est bon. J'ai rien fait ? Non. Alors attends, appuie sur échappe. Il va voir les touches. Attends, les ça, touches ça, de... ça m'a fait ça. J'ai fini ? Ok. Bah en fait, comme ça t'a arrêté sur le quai. Mais en gros, logiquement, tu étais censé arrêter l'alarme. Ouais. Et pour arrêter l'alarme, en fait, tu dois avoir une touche qui est programmée dans tes options de touche. Ok. Donc là, je continue la mission. Ça va me repartir de. Ouais, du coup, oui. Attends, on est où là ? Bah c'est fini ? Non. Il se passe quoi là ? Bah il pleut ? Pourquoi ça fait ça ? Ça m'a quitté mon truc ? Est-ce que c'est normal ? En fait c'est passé au scénario d'après. Bah pourquoi ? T'as mis quoi ? T'as mis pour... Bah au pire fais-le, il sera guidé et tout. Vas-y ok. Alors, j'arrive. Suivez les repères jusque dans mon train. Donc là on arrive, bonjour, je rentre dans mon train. Je vais aller là. Là il est quelle heure là ? Il est 9h du matin, il pleut. Super. Oh, comme ça, on va tester de nuit les gars ce que ça donne. Appuyez sur le bouton pour allumer le maintien de service. Alors c'est ça. Ok, maintenant on met la puissance. Ok, ça c'est quoi ça ? Pantographe, il faut le mettre sur normal, ils disent. Ok, disjoncteur, homme, hop. Il n'y a pas besoin d'aller derrière pour mettre le disjoncteur, enfin le truc derrière là. En soi, tu pourrais le faire, mais si t'as pas envie, par rapport à l'alarme et tout, après faut que tu checkes vite fait quelle touche c'est dans tes. Attends, mais non, mais je vais. Hop. Faut que je fasse quoi du coup là ? TVM, faut que je mette quoi ? Faut que tu mettes tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et si on le met pas, ça fait. Le jeu il dit pas de le mettre, donc si on le met pas, ça fait quoi ? Non mais ça c'est pour juste du RP, si tu le mets pas en soi tu roules mais t'as moins de restrictions. D'accord. Et du coup il faut que je check la touche alors pour l'alarme ? Alors ouais, si tu peux, comme ça ce sera plus simple. Et quand ça sonnera en fait, t'auras juste à toucher la touche pour... Bah du coup paramètres, commande. Commande clavier. Sablage, phare avant, inverseur, manipulation de traction. Ça s'appelle comment ? VACMA ? Ouais, c'est la VACMA, ouais. Mais en soi, ça peut s'appeler juste alerte, logiquement. C'est quoi normalement la touche qui est de base, disjoncteur ? La touche de base, je sais pas. Régler sur neutre. L'alarme DSD, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça à peu près. Est-ce que tu peux juste remonter pour que je vois au niveau de ta tête ? Ah bah, tu peux peut-être pas monter plus si. Réinitialisation de l'alarme. Alors voilà, donc c'est A. Alors pourquoi ? T'as appuyé sur A tout à l'heure quand je t'avais dit ou pas ? Non. Alors, ben en gros, bah du coup c'était bien ça, c'était bien A. Donc en gros, dès que ça va bipper, tu dois appuyer sur A pour dire qu'en fait t'es bien là. C'est fait. Quoi la WS ? Alors la WS, c'est pour les lignes anglaises. C'est okay. L'attention warning system ou un truc comme ça. Donc. Et DSD, c'est pareil. Déverrouiller les portes. Le quai, il est à quel côté ? Il pleut à mort là ? Pas mettre. Ah ouais. Donc là, les passagers, ils rentrent logiquement. Ok. Comment on met les essuie-glaces ? Nombre maximal de personnes admises 4. Ah oui, quand même. Et moi, je veux mettre les essuie-glaces. C'est sur la gauche. Sur. En dessous de l'heure. En dessous de l'heure. Essuie-glaces. Ça marche ? Logiquement. Logiquement, tu dois les activer juste en dessous du bon. Bouton que tu viens d'activer. C'est bon, ah, c'est bon. Ok, donc là, du coup, petit coup de klaxon. Voilà, ça fait plaisir. Maintenant, inverseur sur marche avant. Mes freins, il faut que je les. Ah, attends, juste la lumière des. Oula, c'est quoi ce bruit là ? Ok. C'est quoi la lumière des écrans ? On avait vu ça où ? La lumière des instruments, c'était en dessous des disjoncteurs à droite. En dessous des disjoncteurs à droite. Disjoncteur, c'est là, au niveau du. Bah non, y a pas de lumière.
Non mais au niveau des disjoncteurs, tu sais là où tu mets armement du disjoncteur, etc. Armement. Ah oui. Ah oui, éclairage instrument. Ok, ok, c'est bon. Donc là, ok. Maintenant, du coup, il n'y a plus qu'à pas partir en fait. En commande manuelle, ils disent. Ok, et là, je mets la traction. On oui. remonte aux 5 barres aussi. Oui. Tac, 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 tac. On monte aux 5 barres. C'est bon. Quand il pleut, vous aurez une visibilité réduite à l'extérieur, mais le système de signalisation en cabine vous regardera. Ok, ok. Verrouiller les portes. Ouvrir les pas. Donc là, je reclique. En fait, quand on reclique, ça referme, c'est ça? Non, il faut cliquer sur celui du milieu pour fermer. Ah, j'avais pas vu. Ok. Attends, je vais voir un petit peu. Si je klaxonne, ça fait quoi? Ah ouais. Ça résonne, probablement. Ouais, ça résonne. Et maintenant, c'est parti. Traction. Non. Là. 49%. On va trouver un peu plus d'essuie-glace. À 40. Ok. Emplacement du changement. Ah, et du coup, là pour l'instant, on a une alimentation. Et du coup, ça fait quoi si on a une alimentation pas TGV là? On peut pas aller à fond? Bah, ça risque de pas fonctionner. Mais du coup, si un TGV roule sur des câbles pas TGV, enfin, du coup, en mode. Ça change quoi bah, en fait? Logiquement, de c'est pas censé arriver. C'est pas censé arriver, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de puissance, ou du moins c'est pas adapté. Donc soit c'est un arrêt d'urgence, soit c'est... je sais pas, je vais pas te mentir que j'ai pas essayé, mais... Ok, ok. Donc là, on est parti. Let's go. On train pas, les gars. Bon, il fait un temps de merde, mais on train pas. S'il débute pour connaître sa droite... Attends, sa droite quoi? J'ai pas vu. On va ralentir un petit peu. On se met à 16. Ça sert toujours. Eh mais le bruit est incroyable, André. Enlève le voyant SF, ça me stresse. C'est quoi? Le voyant SF, c'est... logiquement, c'est A aussi. Pédale de vigilance? Ouais, voilà, ça l'a enlevé. Ok. Yo, ce qui est arrivé, les gars. Donc là, on part avec notre TGV. Et on... Bah, il pleut à mort. Mon train est là, magnifique. Et on doit... Je vais trop vite. Je mets à 12. Il suffit 12. Ça accélère. Et du coup, c'est la même ligne qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là, il pleut en fait. C'est ça. Et en fait, si tu veux, c'est des allers-retours Avignon-Marseille. Quoi. Ah, c'est jamais autre chose. Malheureusement. C'est un peu dommage. Et après, tu vois, ce que je m'amuse à faire, moi, c'est que je prends le TGV et je le mets sur des lignes genre américaines ou des choses comme ça. Ah ouais? Et ça marche? Bah, c'est ce que je suis en train de faire, là, en même temps que... Ah ouais, ok, ok. Qu'on regarde le live. Je viens d'arriver. Qu'est-ce que j'ai raté? Oh, t'as raté quand même pas mal de choses. Hein. Mais là, du coup, on découle le TGV. Là, on peut accélérer. Parce que là, on veut quand même rouler, on roule pas à fond encore. Système vigilance, voilà. Il y a des rediff. Oui, si tu roules sur ligne non TGV à grande vitesse, tu risques de péter le caténaire. Il est plus tendu dans une ligne TGV, il me semble. Ok. Oui, c'est vrai. Il est plus tendu pour éviter les remous. Oh, le klaxon est incroyable. Le mur de la caténaire. Là, du coup, la caténaire, là, quand on est sur. Ouais, tiens juste le truc. Et du coup, celle qui est à l'arrière, non, mais elle est reflet du toit mouillé, c'est trop beau. Hein. Oh là 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 là. Elle est où la dernière caténaire là? Ah, c'est celle-là qui fait les volts là, la ligne TGV? Ou c'est une autre qui se lève? Non, c'est celle en fait, si tu veux là, c'est celle du coup de l'arrière du train que tu es en train d'utiliser. Et à l'avant du train en fait, elles se lèveront parce qu'elles sont plus dans le sens au niveau de leur pliure pour la LGV pour éviter de se prendre tarif. Ok. D'accord. Mon père travaille dans le TGV Ouigo. Ah ouais, ok. Bienvenue dans le TGV Starview Family. De ouf. De ouf, de ouf. Hein. Bon, bah là, on continue. Bon, on peut tracer, hein. Je mets de puissance max. Hein. Ça patine pas? Non, ça va. On rentre pour le truc d'alimentation. Je sais pas comment on fait. Hein. Faudra que tu me redises parce que là. Bah, Féro, il le fera au pire si. Puisque je le laisse okay. Pas beaucoup parler. C'est vrai. Ok, bah, tu me diras du coup. Le but du jeu, c'est de faire notre trajet, quoi. Notre trajet, quoi. Dans le TGV. Oh là là.
De nuit, c'est vrai que c'est un peu triste, mais faudra qu'on fasse deux jours après. Et avec la neige, c'est encore mieux. Ah ouais. Oh, y'a un train! Oh, j'adore. Conduire dans la neige, c'est le feu. Niou. Par contre, je suis en phare max, je crois. Non, je suis en réduite, là? Ouais, je crois que je suis en... Mais je dois être en réduite. Niou. Oh là là, incroyable. Il y a du monde dans le train, là? Parce que du coup, c'est pas... là, on peut pas aller descendre pour aller voir... Parce que si je descends, ça fait quoi, là? Là t'es cuit. Ah ça sonne, ça sonne. Faut que je fasse quoi? Appuie sur A, monte sur le fauteuil et appuie sur A. C'est bon. Ok. Ah ça a sonné. Du coup, tu peux plus descendre de ton siège parce que sinon en fait, ça a activé le frein d'urgence. Voilà, avec les alarmes que je t'ai fait mettre, du coup tu peux plus descendre de ton fauteuil. Et si un chauffeur il désactive les alarmes, il peut descendre du coup? Oui. Et il a pas le droit? Non. Ok. Bon, y a plus de pluie. Magnifique. Enfin, ouais, s'il pleut un peu quand même. Mettre un petit peu d'essuie-glace quand même. Là, on va juste se mettre en puissance 30. Je pense. Ça suffit. Mets la vidéo campagne patate. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Cerveau, tu te débrouilles très bien. Ah, bah, j'espère bien. Heureusement que vous êtes là, les gars. Parce que sinon. Ouais, ça trace là. Ouh! Ah ouais, là ça trace, Laurent, là. Pourtant on est qu'à 130, hein. Tu vas prendre encore 100 km/h. Ah ouais, mais j'ai trop hâte d'aller à fond, là. Là, je vais aller à fond. Tu pourrais dans le wagon bar, s'il te plaît? Mais non, on peut pas. Il faut aller faire quand on sera à l'arrêt, par contre. Dans une gare. Enfin, sans même plus, tu vas monter à 320. On dirait un pro, j'adore. Eh ouais, un petit peu quand même. Là, là on est parti, là. Et encore, on est qu'à 130, toi, du coup. Là, dans 1,25 km. Alors, du coup, faudra que je fasse quoi? Faudra que je... retrait d'urgence du pantographe? Non, peut-être pas, non. Non. Si on fait retrait d'urgence... En dessous, bah, ça le baisse automatiquement. Ok. Du coup, il faudra que je le mette en mode ABC. ABC. Donc je le mets en mode traction 0. Hop, roue libre. En roue libre, non, après pas sur ton panneau... Okay. Attends, je mets un peu de vitesse pour l'instant. Ton panneau à droite. Attends, deux secondes, je prends juste la vitesse et dès que je suis... Voilà, donc là, hop, off, ok. Maintenant, je fais quoi? Je me mets en mode... Tu fermes ton... Disjoncteur? Tu fermes ton disjoncteur. Ok, armement, non, disjoncteur off, ok, c'est bon. Là, il n'y a plus de jus. Là, il n'y a plus de jus, normalement. Après, là, tu vas mettre en mode LGV. Merde, comment on fait? Oh putain, j'ai branlé quoi? C'est sur celui d'à côté. Okay. C'est pas sur celui... Putain, ça marche pas? Non, tu dois te mettre en mode BC avant. ABC, LGV, et je remonte? Non, pas encore, non. Je remonterai après, c'est ça? Voilà, et tu remontes maintenant. Si c'est bon, tu peux remonter. Normal, ok. Et là, ça devrait monter du coup l'aiguille là? Ah ouais! Là, c'est bon, c'est monté. Et là, je peux remettre des gaz là. C'est ça, et là, ah tu non, peux, faut là, que tu, le... tu faut peux que remettre le disjoncteur. Le disjoncteur, ouais. Hop. Et il faut que je le mette armement aussi? Okay. Armement aussi. Et là, wouhou, à fond. Et là, c'est parti, les gars. Là, on trace, là. Là, on sort du tunnel, mon gars. On va arriver à 300. Là, l'imitation, c'est combien, du coup? 320 300. Ok, 300. Mais t'auras, tu devras t'arrêter aussi à Aix-en-Provence. Ah oui, sinon non, ça... Bah non, mon avis, il va pas s'arrêter, parce que sinon, ça clignoterait déjà. Ouais, en plus, c'est un Alévia. Ah, donc là, on s'arrête pas. Non, on s'arrête pas là. On va jusqu'à Avignon. Ah ouais, et si on devait s'arrêter, ça aurait fait quoi? Eh ben, il aurait fallu ralentir où ça clignoterait en gros sur le truc où il y a les 300. Ok. DLC, on le trouve sur Steam. Enfin, moi, je l'ai acheté sur Steam, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Merci les gars pour les 1700 pouces bleus, n'hésitez pas à liker hein, ceux qui viennent d'arriver ou quoi. Bruit SNCF. Ouais. Bon, attends que ça monte, hein. Évacuation d'urgence. Oula. Donc là, si je descends, ça sonne. Exactement. Ça sonne, putain! C'est bon, ça sonne plus. Et je suis pas descendu, ça a sonné! Bah, c'est normal, quand tu touches plus. Quand tu touches plus comment? Une commande pendant assez longtemps, c'est la. C'est est-ce que t'es mort ou pas? C'est l'alerte de l'homme mort. Bah, du coup, non, je sais pas. Ok, ok. tu soutiens mon père, c'est trop top. Ah ouais? Bah, enfin, je joue un jeu de train, quoi.
Ouais. Oh, le son. Comment on fait pour enlever les sécurités? Parce que moi j'ai envie de me balader. Pas beaucoup, pas loin, mais un petit peu. Et bah c'est derrière, t'enlèves tout ce qu'on a mis au niveau de TVM, etc. Oh putain, je peux pas. Il y a le siège qui gêne. Oh, merde. En soi, tu peux les atteindre à travers le siège. C'est celle d'en haut à gauche. C'est Vakma. Vakma, TVM, Crocodile, KVB. Et je mets en quoi? En isolé. Bon, attends, Vakma, isolé. Ok. KVB, truc, isolé. Et TVM aussi en isolé. Et là, si je descends, ça sonne plus. Oula, c'est quoi ce bruit? Ok, c'est bon. Bon, j'espère que je vais pas mourir. What? Et ça, c'est les... Oh, on peut pas y aller dans les moteurs. Oh non. Non, 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 ils les ont pas fait. What? Est-ce que si je saute, on meurt? Alors, bah surtout, tu peux... Oh putain! Donc, quand on est dans le train, tu dois recommencer, quoi. Non! 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 Mon train, il va tuer tout le monde! Ah bah là! Et si j'appuie sur une touche, on peut pas y aller? Oh non! Ah bah, non. Bon courage pour le rattraper, là. On fait quoi, du coup? Bah, recommencer. Bah, on peut tester notre truc. Oh non! Bon, comment on fait dans le scénario du coup? Scénario. Retour malheur. C'est quoi tous les trucs malheur? C'est un scénario. Moi je vais faire un truc. Un scénario, il se passe une merde et puis du coup tu dois gérer. Bah du coup je vais mettre retour Marseille, je pense que c'est du meilleur. Comme ça les gars, on va faire un nouveau scénario. Expérience à la Ibra TV. Ah oui. Ok, donc là il fait beau. Là c'est bien là. Allez, on fait ce scénario là les gars. GG mec. Putain. J'avoue, je suis pas mort. Du coup, là, tu vas voir la gare d'Avignon. Oh oui, d'accord, je suis jamais allé. Ok, Avignon TGV. Ok. On peut aller sur les rails. On peut aller sur les rails, magnifique. Ok, ok. Bah, du coup, je rentre dans mon. Bah, merde. Ok. Je rentre dans mon train. Attends, du coup, t'as le wagon bar. Il y en a qui disait le wagon bar. Du coup, on va regarder. Ah, ouais, ok. Normalement, c'est la quatrième voiture. Oula, y a du monde là. Oula, oula. Quatrième voiture? Oui. Un. On va regarder, les gars. Wagon bar. Deux. Bar! Ah, il y a écrit bar là. J'ai jamais vu un wagon bar de train, donc on va voir. Putain, mais y a trop de monde là. Bouger de là. Monter les marches. Alors. Ça, c'est quoi? Les toilettes sont pas faites, par contre. Ok. What, c'est comme ça? Je suis jamais rentré dans un wagon bar. Ah ouais, du coup tu peux demander au gars ce que tu veux de manger quoi. Ah ouais. C'est ça. Stylé, stylé de ouf hein. C'est vachement stylé. Bon ok, bah les gars, on va redescendre, on va prendre notre petit train et on va rouler. Faites du fait. Ouais, en vrai, faites simulateur, il y a moyen que j'en fasse hein, ça peut être drôle. Allez, allez, gougou. Je joue sur la PS4, c'est bien avec la manette. Ok, ouais. Bon, le son du jeu. Calme-toi. Hop. On ferme. On rentre. On ferme. Et c'est parti. Faut refaire toutes les manipulations ou pas? Ah non, il est déjà allé. Non, attends, je sais pas. Verrouiller les portes. Non, non, il est déco. Non, non, parce qu'en fait, il vient déjà de Paris, le tien, le train. D'accord. Du coup. Donc là, logiquement, c'est bon, ça va se fermer. Les freins. Ok, je me mets en 5. Desserrage. Merde, je vois pas ce que je fais. Ok, et juste, je vais juste mettre ça. Un peu plus de lumière. Voilà, un peu plus de lumière. On met la clim s'il fait chaud. Ok, et donc là, bah c'est parti. Est-ce que je suis en mode marche avant? Oui. Ouais, c'est parti. Let's go, on y va. Oh, il y a une voie dans la gare. Stylé. C'est la Et là, je suis déjà en mode TGV, là. Oui, oui, oui. Là, t'es déjà... Là, tu vas devoir faire l'inverse, maintenant. Plus tard, quand t'arriveras à Marseille, tu devras passer de...
Le jeu est tellement bien. Bah moi je trouve qu'il est stylé. Voilà, après ça change de ma chaîne, mais je suis bien de tenter de tester d'autres jeux des fois. Ok. Là c'est limité, bah rien du tout. Ok. Après tu pourras aussi mettre la vitesse sélectionnée. T'auras plus besoin de... Ah ouais, c'est le régulateur quoi. Oui. Mettre le régulateur. Oui mec, oh merde. Ah oui d'accord. Fais tout dans le tunnel. Hein bip, ça fait bip, c'est normal. Non, c'est la vitesse, ok. C'est la vitesse qui a changé. Klaxon dans le tunnel. Ouais, mais on entend pas. En vue intérieure, on entend pas trop. C'est vachement isolé. Pourtant, il est vrai que les moteurs sont juste derrière, hein, mais on entend pas trop trop. Là, du coup, il y a deux locomotives qui nous servent à avancer. Ouais, les quatre motrices, elles fonctionnent. Les quatre? Oui, parce que c'est une double rame, là, il me semble, que t'as. Je sais pas. Quoi que. Il y en a que deux. Ah oui, il y a que deux motrices. Bon, bah, les deux motrices fonctionnent. Ok. Bah là, on peut tracer, hein. Ça monte un petit peu. Si je mets là, regardez. Quand... Oh, le son! Waouh, le son est incroyable en train. On train, il s'en va! Ah là, on trace là. Ah ouais! Là, les gars, c'est parti. Fais du bois sur Farming Simulator. Bah là, on est plus trop sur Farming Simulator. Là. C'est pas le même truc. Va à fond, bah je suis à fond là. Ah ouais, ça penche un petit peu ça. Non, ça c'est le dévers, c'est pour éviter qu'il se retourne. Ah oui, ça va être pas mal. Non, les courbes. Tu as déjà vu un TGV de poste? Un TGV de poste? C'est quoi ça? Un TGV postal? Ah oui, je pense. Bah ouais, non. Possible de faire des sondages. La poste. Ah ok. Et là, je suis à combien là? Là, je vais à 230. Attendez, je me mets à... Je descends. Niou. Oh, le son. Il va remettre du bois dans la cheminée. Oh merde! Ah oui, vas-y, j'accélère. Voilà, c'est bon. Mon train n'est pas mort. Les trois fermes, s'il te plaît. Ah, y a pas de trois fermes là. Mais là, je suis graphisme à fond. Et on dirait que la voix elle apparaît petit à petit. Ah, ouais. Ah, bah là, je vais arriver à fond là. Comment on met le régulateur du coup? Ouais, tu baisses ton volume de traction. Je baisse mon volume de traction. Ouais. Donc, je me mets en mode quoi? Off. En off. Après, au lieu de me commande manuelle, en puissance max, tu mets off, oui. Ok. Et après, sur le bouton où t'avais mis la vitesse sélectionnée, du coup. Et là, il y a un truc là. Oh, ouais, attendez. 320. Et là, il accélère là, le train. Non, ouais, là, du coup, il veut se mettre à la vitesse. Mais il accélère pas là, si. Ah, tu dois quand même mettre un peu de traction. Si je mets 10. Je sais pas ce que ça fait là. Il accélère pas là. Il fait rien. Ouais, à gauche de ta limitation de vitesse, de ton cadran de vitesse. Ouais. Tu vois un 6. Sur ton HUD. Je vois un 6. À gauche. Ah, sur ton HUD où il y a toutes les informations. Ah oui. La prochaine limitation de vitesse. Ouais, 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 ouais. T'as un 6. C'est pour dire qu'il accélère. Ok. Mais il accélère, mais on accélère pas là. Je suis bloqué à 285. Là, faut remettre un peu de traction. Ouais, mais si c'est moi qui... Ouais. Je vais tester, attends, on va voir. Oh, c'est stylé quand même. Nion. Oh, la vitesse. Je viens de me faire un TGV. Je viens de me faire un TGV à 4 TGV, là, de mon côté. What? Ok, là les gars, on trace, là. Là, mon gars.
Je suis allé sur Saint Patch Grade, j'en ai mis deux à côté et je les ai appuyés. Et là il va ralentir automatiquement à 320? Normalement oui. Parce que là je me suis mis en... Marche avant, après, vitesse sélectionnée. Par contre, quand tu auras des descentes, faudrait que tu interviennes. Ah ouais? Ouais, parce que... On a des sacrées descentes. What? C'est moi, il va ne pop devant moi le train. L'affichage, le jeu, qui est bug, qui est mal codé. Oh, c'est joli quand même. Hein. Et là, bisous. Un bon petit simulateur, bah ouais, hein. Je suis à 320 là. Et je suis en puissance max, il accélère pas plus, donc logiquement, c'est bon. Ton régulateur est bien réglé. Et si on met pas le régulateur et qu'on laisse en puissance max, il va plus vite que 320? Oui. Ah ouais. Mais en service commercial, ils sont bridés. Ok. Dans la réalité. Ok. Bon, je crois que j'ai eu deux petits traits entre les kilomètres heure, c'est quoi? Je sais pas si c'est moi qui ai rêvé. 11. Ah ouais, la puissance elle diminue, ouais. Oh là là. S'il vous plaît, la vidéo campagne. Je suis à côté de chez toi, donc je vais voir si je peux passer demain matin pour le moment. Hein? D'accord. Bon bah, du coup, on arrive dans 40 km là, mais c'est long! 43 km, ou plus, 300 km/h, c'est quand même rapide. Bon bah on fait notre petit truc, hein, notre petite route, les gars. Pour le moment ça va, t'es encore bien parce que t'es pas en descente, mais je crois que ça va pas tarder la descente. Ouais. Ah ouais. Oui, et en plus elle est sèche, là. Hein. Et si on ralentit pas, ça fait quoi? Bah... déraillement. Merci, presque 2000 lecs, les gars. Déraillement? Bah ouais, si tu vas trop vite, oui. On fait quoi? On ralentit ou pas? Bah là, logiquement, non. Pour le moment, tant que tu dépasses pas 320. Bah c'est bloqué, ouais, 320, ouais. Là, ça monte en plus. Et je suis à 15%. 14. Ouais. Stylé. En vrai, c'est vrai que c'est stylé. Mais là, vu que c'est des grandes lignes. C'est vrai que quand on a plein d'arrêts, on s'arrête, on repart, bim. Ralentis pas. Bah quand même, on va peut-être ralentir un petit peu. Conduite sous la limite de vitesse, ouais, 320 pour l'instant. Arrête de bailler, oui ça va. Oh là, il est déjà là-bas. Bon, au niveau des paysages à côté, c'est moyen quand même, hein, le jeu, voilà quoi. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que les arbres, ils arrivent, ils spawnent petit à petit, c'est pas... non. C'est pas fou ça, c'est vrai que... c'est pas fou du tout même. Après, pourtant le jeu il est pas si vieux que ça, mais bon. Ah non, mais tu joues au 1, et les graphismes au secours quoi. Ouais. Là en fait, dans le extérieur ça paraît joli, mais en fait, parce qu'on va vite quoi. Oui voilà, tu vois pas les décors en détail. Ouais. Mignon. Donc là, on va où quoi? La route, c'est pas F11, F12. Merde, j'ai fait quoi? Oh putain, j'ai tout cassé, je crois. Non, c'est bon. F9. Comment on voit le truc avec les aiguillages et tout? Ou la carte, ouais. Pour moi, je fais échappe et après carte. Bah, si t'appuies sur 9, logiquement, t'as la ligne. Ah ouais? Ah ouais, je suis là. Ah ouais, c'est juste ça, quoi. Et là, il y a quoi, à ce moment-là? Ah, faut changer de truc, je crois. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est peut-être... Non, tu t'arrêtes peut-être, c'est... Ouais, tu t'arrêtes. Non, c'est la gare d'Aix. Non, c'est Alévia. Tu t'arrêtes pas. Oui. Et après, on arrive là. Ok. Bon, après, là, c'est le bordel, là. Tu peux dérailler. Ouais. Il ralentit le train. Ça va, parce que ça monte. Ouais, 3,5 la pente. Et pourtant, il accélère qu'à 40%, c'est pas normal. Et là, tu vas te prendre une petite descente. Ouais. Ah, la petite descente qui fait plaisir, là. Wouhou!
Mais en fait, si tu veux, le truc qui est bien, tu vois, ce que je trouve dans ce DLC, c'est que tu vas tellement vite que tu arrives à voir les reliefs. Et du coup, quand tu joues vraiment proche de ton écran et que tu es enfermé dedans, t'as juste l'impression de bouger avec le train. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, ça descend là. Et il freine tout seul. Oui, il freine tout seul. Après, il freine tout seul, mais là, faut l'aider un peu. Ah, je mets quoi? Le frein de gauche. Il fonctionnera bien. Frein de gauche. Ouais. C'est rage. Ouais, bah, celui que t'as... Ouais. Tu le mets sur... entre 4 et 5. Ouais, voilà, pas plus. Ça va déjà bien le freiner, ouais. C'est bon, je crois. Je défreine. Voilà. 314, nickel. Oula, je vais vite là. Mais je vais vite, mais ça monte. Ah, mais c'est limité à 300 là. Ah merde. Oui, ça a descendu à 300. Ok, non, c'est bon. Et là, en vrai, si tu vas à 320 ou 310 alors que c'est limité à 300, c'est grave en vrai ou quoi? En vrai, oui, c'est trop haut. Logiquement, tu peux dépasser de 5 km/h et encore pendant pas très très longtemps. Et par contre, après, ça devient vraiment chaud si tu dépasses. Si tu dépasses de 20 km/h, c'est mise à pied quoi. Ça, c'est ah ouais. Reproche ou avertissement. Ouais, mais qui sait que tu vas plus vite? C'est tout tracé, on a des mouchards dedans. Ah ouais. Ok. Mais il freine là? Et ça monte? Ah non, plus 25, ok. Ok. Je vois ça, ouais. Tu connais VB2N? Non. Ah, c'est les rames de banlieue, c'est ça, si je me trompe pas. Ah, c'est des... Ok. C'est quoi tous ces boutons là, ça marche? Non. Il nous reste 17 km. Va plus vite, mais les gars, je peux pas aller plus vite. Enfin, en vrai, on pourrait essayer. Vas-y, on va essayer. T'es bien tombé du train en soi, tu peux essayer ça. Hein. Vitesse sélectionnée, du coup, faut que je mette alors en mode. Attends, du coup, traction off. Là, je me mets en commande manuelle et traction à balle. Pourquoi il est qu'à 50%? C'est qu'il a une cote de 3% là. Et oui, mais ça, c'est la puissance, c'est quoi? C'est la puissance des moteurs? Ouais. Bah, ouais, mais il devrait être à 100% là. Bah, en fait, si tu veux, s'il se met à 100%, il risque de glisser et du coup, les moteurs ils sont bridés. Quand il y a une trop grosse, pente. Ok. Donc là, les gars, on va accélérer à fond. Oh merci, presque 2000 likes, les gars. Là, ça descend normalement, les moteurs, c'est bon. Ah oui, ils ralentissent tout seuls, les moteurs. Mais c'est sûr que c'est normal qu'ils ralentissent, pourtant je suis en manuel. Ouah, les gars, ouais, on va trop vite, là. Oh, je vais dire rien. Non, franchement, on fait la... c'est ça la grosse descente, de toute façon. Celle-là, c'est l'une des pires. Et est-ce qu'ils freinent tout seuls ou pas? Bah là. Non. Il accélère plus? Comme ça en vitesse manuelle. Logiquement, il est bridé lui, non? Je sais même pas. Les gars, on a 340! Voilà, je vais à fond, on rentre là. Là, les gars! Tu vois, et même le jeu, il veut pas. Quand il te fait tourner, c'est chaud. Putain, c'est l'une des pires descentes, celle-là. Pour gérer le freinage. On arrive dans 9 km. En plus, t'as une rame seule, tu vas 10 fois plus vite. Enfin... 352, ah, ça monte. En vrai, tu fais ça, t'es là... viré. Hein. Ah oui, là, c'est danger, mise en personne. Bah après, est-ce que dans le train, ça se voit beaucoup? Genre que tu m'en vas vraiment très vite, je pense. Ouais, bah, normalement, oui, il y a des affichages. Il y a des compteurs, ouais. Il y a des compteurs de vitesse. 360, what? Oh. What? Voilà, c'est rapide là. Le record, c'est pas 500? 541? Ouais, mais du coup, pourquoi celui-là il va pas plus vite? 574? 74, effectivement, bien vu. Mais pourquoi là je peux pas aller? Là il accélère pas le mien. Parce que t'es pas. Ils étaient sur une ligne plate, eux. Donc. Mais les moteurs ils sont à zéro là. Les moteurs sont à zéro parce que. Wow. Parce qu'il doit être bridé à mon avis. Ah ouais. C'est le jeu qui fait ça ou c'est le. Je pense que c'est le jeu là. Pour le coup, je pense que c'est le jeu. Oh non, c'est nul. Moi, je voulais aller à 500.
574,78. Ah ouais. Là, on trace, là. Record vitesse, 574,8. Ok, ok. T'as kiffé. J'ai fou, Mathilde, elle est toujours là. On arrive dans 1,6 km. Il faut que je fasse quoi? Faut que je ralentisse? Bah là, c'est juste un Alévia. Non, c'est un Alévia. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive dans une gare? Non, on passe. On passe juste, on s'arrête pas. Ouais, mais même, t'imagines que tu vas à 300 dans une gare, c'est énorme. Ah, non mais tu vas pas t'arrêter en fait, tu passes pas l'aiguillage, tu vois. Ah ouais. En soi là t'es à vitesse à peu près normale. Ah il me dit de ralentir là. Ah bah... C'est qu'après tu vas rejoindre la ligne classique qui est limitée à 100... À 140. Ah ouais. Bah ouais mais là faut le mettre un petit coup de frein là, non? On va respecter les vitesses quand même. Là, ça freine beaucoup là? Un peu, ouais. Dans le tunnel. Wow. Ok. C'est quoi le point rouge? Ah, mais c'est mon régulateur, ok. Tu vas trop vite? Bah ouais, je vais trop vite, mais si je freine. Et si on freine à fond? Si on met genre. Serrage. Serrage, ça freine à fond? Et après, après ce cran, il y a juste le frein d'urgence, mais là, il te... Il t'arrête. Il freine dur. Faut essayer. Et après, tu pourras pas le reprendre avant qu'il soit arrêté complètement. Ah ouais. Ouais, il freine des toujours, là. Du... Parce que t'es en montée. Ah, mais non, parce que je freine toujours. Voilà, ça. Trop vite, là. Le frein d'urgence, c'est quoi du coup? C'est quel bouton? C'est le gros bouton rouge, le gros bouton coup de poing du côté frein. Et ça, on l'active quand? Si on peut jamais. Ouais, mais genre, imagine que tu dois t'arrêter d'urgence. Tu mets tous tes freins au pire. Celui-là, il active tout d'un coup. Ah ouais. C'est un gain de temps. C'est genre vraiment, tu. Je sais pas, imaginons. Malheureusement, ça arrive, mais imaginons t'as un suicide, bah, bam, frein d'urgence et. Vas-y, je vais essayer. Ou même. Là, j'ai appuyé. Mais je suis dans le tunnel, je vais rien voir. Non, mais après, tu pourras reprendre tranquille. Fais gaffe par contre parce qu'il patine. Et comment on l'enlève là? Tu rappuies dessus. Ah, bah, c'est bon alors. Faut que je redesserre du coup. Hop. Il accélère pas. Faut qu'il soit arrêté avant de repartir. Oui. Oh non. Là tu peux essaye de appuyer sur A. Ah ouais. faut remettre le disjoncteur. Moi aussi. Ah oui, il a coupé le disjoncteur, oui. En même temps ça coupe le disjoncteur. Faut le mettre à 0 et hop. Non, ça marche pas. Tout cassé. Cassé, ça marche plus. Est-ce que tu essayes de réarmer le disjoncteur? Tu l'as fait? Ouais, relève le pantographe aussi. Peut-être pantographe, il est normal. Attends, faut changer de traction. Donc, alors attends, voilà. Donc là, il faut que je mette en ABC. Je me mets en quoi? En M? Non. En C? En C, c'est en courant continu. Et le M, c'est le mono. Oh, ça marche pas. Ah, peut-être parce que je suis encore à... Bah ouais, ça marche pas. Il y a un problème. Je crois que j'ai cassé mon train. Non. Parce que là, le disjoncteur, il va pas se remettre. Il est pas activé ton disjoncteur, de base. Il faut que t'actives le disjoncteur et ensuite que tu le réarmes. Ah! Et là, si j'y vais... Ah, nickel! Là, ok. Et du coup, est-ce qu'on ferait pas un petit arrêt d'urgence pour tester? Vas-y, go. Là, je glisse, là? Ça freine pas là? Si? Ah si, ça freine.
Oh, ça clignote, les phares. Ça, c'est quand tu klaxonnes, logiquement. Bah non, t'as mis l'alarme. En gros, c'est retour dans mon vue principale. Il freine à mort, mais il bise pas. Parce que ça, c'est le frein électrique. Le frein électrique, il est pas fait pour glisser. Il est fait pour ajuster la vitesse, ta point. Ah là, ça fait des bruits, là. Bonjour, vous êtes arrêté sur les rails. Bon, du coup, desserrage. Il faut que les freins, ils se... Oh, attends, du coup, tac. Hop, ça recharge. C'est bon, et maintenant, c'est reparti. Ça marche ? Pas. Ça marche pas ? Ah mais ça fait sauter le disjoncteur. Ah ouais, ça fait sauter le disjoncteur. Pourquoi ça veut pas ? C'est quoi le délire là ? J'ai tout cassé, je crois. Mais c'est bizarre qu'il... Est-ce que t'étais descendu en dessous de 140 ou pas ? Non. Et ben voilà, en fait, c'est pour ça. Faut que je fasse quoi du coup? Bah là, il faut juste que tu redémarres pour moi. Hein. Il faut que tu. Bah là, active ton disjoncteur. Avant de le réarmer. Déjà. Ouais, c'est bon. Et logiquement, ça devrait fonctionner là. Est-ce qu'il faut que je rebaisse et je remette mon pantographe? Ah, c'est parce qu'il faut le remettre le panto. Il a baissé là. Ouais. Non, il est bon. Bah... Attends, abaisse-le, remonte-le. Ah, c'est, bon. C'est parti. Ok. Ok, c'est bon. Et c'est quoi les trucs sous les rails là? Qui sont au milieu des rails. Les crocodiles, c'est pour permettre d'envoyer les signaux au train. Que tu viens de. Oui, au train. Ah ouais? Et ça frotte, c'est quoi? Oui, c'est ça, par frottement. What? Mais ça, c'est pas grave. Bah, les trains, ils sont faits pour que ça touche. Okay. Normalement, c'est dans le nez de. Ah, c'est tout dans le nez de la cabine. Ah ouais? Pour que tu mais détectes là, ils sont pas faits, le plus rapidement possible. Ah, nous sommes de retour. T'es plus viré. Comment ça, j'ai plus viré. Je ne suis plus viré, non. Tout va bien. Bon, bah, du coup, on va arriver à la gare. Marseille, 3 km. Donc là, on arrive, on finit la ligne et c'est fini, quoi. C'est ça. Je crois pas, si je me trompe pas. Normalement, ah bon t'as le retour. Ah, alors, oui, c'est celui-là. Et on va devoir s'arrêter à Aix-en-Provence. Par contre, moi, à Marseille, je vous laisserai parce que j'ai un service demain et je peux pas me permettre de retarder mon... Tu fais quoi, du coup, demain ? Eh ben, j'ai une astreinte et je fais une ligne Lyon-Dijon. Ok. En quoi, comme train ? En corail. Donc, on peut en TER avec des wagons derrière. Pas un bombardier, pas un seul petit TER à c'est pas une rame, en gros, c'est des wagons rajoutés derrière. Ok. Y'a des passagers dedans ? Oui, bien sûr, oui, c'est pas du fret, c'est vraiment du passager. Ok. D'accord. J'allais dire une bébé 22 000, mais ça m'étonnerait que t'aies été ça encore. Non. Effectivement. Par contre, je sais pas. C'est une 5 000 que je conduis. 5 000. Et les cabines, elles se ressemblent un peu tous ? Oh merde, vous freinez là ? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, le TGV, on est vraiment sur une cabine. Autre. Ça freine pas là, c'est de la merde. C'est de la merde ces freins. Merde. Je crois que je glisse là. Il faut que tu utilises ton. Donc on a utilisé avec l'aiguille. Ouais. Donc là c'est à 5. Et quand je freine avec le manipulateur de traction, ça freine pas. Non, ça freine pas, c'est. Ça fait quoi là ? Faut pas l'utiliser. Ah ouais. Du coup, on aura fait du 360 en TGV. Wow! Ça a penché là! What? Ah, c'est que t'as passé une aiguille et que là t'es. Je pense que si tu ralentis pas, là, je pense que là tu vas dérailler. Ah ouais, à ce point? C'est vrai que j'ai un peu vite oui, là peut-être. Oh putain, oui, les aiguilles, oui. Mais c'est surtout que t'arrives en gare quoi. Ah ouais, je vais un peu vite, je crois. Ah merde.
Et en vrai, ça déraille à cette vitesse? Ah oui, oui, oui. Franchement, bah, ou alors les aiguilles, faut... Elles doivent être solides. Ah ouais. Elles sont tordues, oui. Je peux te le parier. Ah. Ok. Nous sommes arrivés. Avec 5 minutes de retard à peu près. C'est nickel, c'est le TGV. 58. Ah ouais, c'est ouais, ça 000... va en vrai. C'est une 22200 que je prends demain. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit, c'est que ça. Ah, c'est une nez cassée, je crois. Ah oh, oui, pardon, c'est une nez cassée. Ouais. Mais elles sont vieilles, celles-là. Nous arrivons en gare. Et normalement, tu vas conduire le train qui est juste à ta gauche. Oui, effectivement, c'est bien ça, normalement. Merde. Par contre, fais gaffe de pas taper, hein. Ah ouais? Là, va falloir... Ça pardonne pas. Ouais. Bah, je pense là, que là, met le frein d'urgence. Freine sec, même. Freine... Bah, c'est bon, là. Ouais, t'inquiète, ouais. Ah si, ça va passer, ouais. Je suis à zéro. Et là, c'est je bon. Je peux confirmer, début. Je t'ai vu arriver très rapidement. Bon bah du coup c'est bon. Et si on tape en vrai ça existe? Et là qui ont déjà tapé? À Paris il y avait une gare qui avait été complètement défoncée par une locomotive à vapeur. En fait elle s'était pas arrêtée. Problème de frein et en gros elle a traversé la gare et elle était pendue à la gare. Mais vous avez c'est une photo qu'on étudie en cours ça logiquement. Ils descendent les passagers là? Oui. Arrêtez le train. Comment ça? Pourquoi les portes elles se ferment, c'est normal? What? Qu'est-ce qui se passe avec mes portes là? T'as vu que ça a fait? Bah... C'est bizarre si elles se ferment. Il dit de mettre le même truc de traction. On n'avait pas l'autorisation de conduire ce train. Ah, j'étais pas en off. Ok. Il faut que je mette sur serrage jusqu'à que l'aiguille soit sur 3. C'est bon. Interrupteur neutre de frein. C'est bon. Off. Neutre. Maintien de service. Clac. Clac. Et pantographe sur ABC. Clac. On coupe le contact. Tous ces boutons. Et là, faut appuyer sur ce bouton ou pas? Ouais, mais il se passe quoi? Pourquoi ça s'est arrêté là? T'as rallumé le disjoncteur. Putain. Bolet de pomme. C'est bon. Ah, je crois que c'est bon, non? Normalement, ça devrait être bon, ouais. Et là, du coup, le wagon, logiquement, il est tout éteint dedans. Non, parce qu'il est toujours en alimentation auxiliaire. Ah. Il est branché où alors? En bas, sur batterie. Mais du coup, on va niquer les batteries, non? Elles ont de la recharge, les batteries, t'en fais pas, là-dessus... Ah ouais, mais elles sont où les batteries? Comment on fait pour les éteindre? Non, il faut pas les éteindre, c'est... Mais genre, la nuit, comment ils font pour les éteindre? Ils éteignent pas. Jamais? Jamais. Et pourquoi? Parce que n'y a pas la fonctionnalité. Mais les feux. Ah ouais. Et là, du coup, faut que je fasse quoi? Attends, je vais aller voir le mec qui me dit, voir s'il m'a dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau? Bon, allez, moi je vais vous laisser, merci beaucoup. Ouais, ça marche, mais merci en tout cas d'être passé, c'était cool. Et merci ben, je laisse Ferro reprendre la main. Ouais, et ouais. Bah, merci beaucoup. Ouais. Et puis, bonne soirée, bon live et bisous le chat. Ouais. Ciao. À plus. Alors, ah quoi, faut que j'aille tout là-bas là, c'est une blague? Oh lolo. Oui, faut que t'ailles en tête de la rame. Oh là là. Et toi, du coup, tu conduis pas en vrai? Non, je suis juste un passionné. Alors, tête de tout rame. Simplement. Je vais dans la tête de la rame. Alors. C'est le même train, quoi. Et là, on repart? Oh, ouais, mais là, c'est nul si on repart, on va faire le même trajet. Bah, là, tu vas devoir t'arrêter à Aix. Et c'est long ou pas? Bah, c'est la gare qu'on a traversée tout à l'heure. Ah, ouais. Ouais, c'est rapide en vrai. Et après, tu vas devoir aller aussi à...
Parce que sinon, on fait d'autres missions. Sinon. Bah après, tu peux en faire, mais c'est répétitif après. Bah ouais, mais j'aimerais bien le truc avec plein de passagers, là. C'était l'autre mission. Pas le TGV, mais... alors attends, du coup, c'est quoi? Changer d'itinéraire. C'était lui, je crois que j'aime bien. Lui, là. Ça. Explorer. Et on peut créer des trains nous-mêmes? Non, on peut pas en créer. On peut créer des livrets, créer des scénarios. Ah ouais. Salut Axel. Putain, créateur de scénario. Ah ouais. Test. Hop. Ouais. Et faut faire quoi là? Je sais pas, je découvre des trucs. Bah tu fais ajouter. Bah ouais, c'est nul, je vais faire un truc déjà tout fait. Non mais d'accord, je vais faire un truc tout fait. Je vais faire un truc déjà tout fait. On va juste remettre la musique. Voilà. Alors, nous sommes de retour. Ou alors, quoique, peut-être, je sais pas si on s'arrête en fait, je sais pas. C'est qu'en vrai, le train, on connaît un petit peu, on a vu tout le truc quoi. Est-ce qu'on peut aller à pied dans une gare là? Explorer à pied. Continuer. Oui, là on peut choisir notre. Où on spawn. C'est quand le prochain live? Prochain live, je sais. Mardi! Oh non, il fait nuit. Et là, c'est Avignon quoi. Et là, ça parle la gare? Non, ça parle pas. Là, je suis un peu en retard dans le live. Là, c'est. Oui. Stylé quand même. Là, c'est Avignon TGV. Il y a un train qui va passer ou pas? 22h, je sais même pas. Bah, faut regarder sur la carte. C'est quoi? C'est 8? Non, c'est 9? Non, je crois pas, non. Ouais. Comment, après, comment on change l'heure là? On change pas d'heure. Ah, ok, super. Salut Mélanie. Ok. Bah, de toute façon, je pense que nous, on va s'arrêter là parce qu'on a quand même testé. On a fait le TGV, on a fait ce que j'ai voulu faire, c'était sympa. Voilà. Alors, du coup, je pense que je ne vais pas rejouer au jeu parce que j'ai quand même fait le tour maintenant de pas mal de trucs. Il y a la dernière fois, j'ai bien avancé. On a juste fait le TGV ce soir, mais c'était déjà quand même pas mal. Donc, du coup, bah, les gars, on va s'arrêter là. Bah, du coup, merci beaucoup d'être passé, toi aussi. C'était grave cool de pouvoir tester ce jeu là avec des gens qui s'y connaissent, quoi. C'était quand même grave cool. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est la nuit, on peut pas changer la nuit là? Nul. Changer d'itinéraire. TGV, c'est vrai que le TGV c'est ouf. Et configurer les décors, c'est quoi ça? On peut pas? Ah, ça marche pas encore. Ah, on pourra le faire plus tard. Bah, pour l'instant ça marche pas sur le jeu. Bah sur le 1 ça marchait. Bah, ça fonctionnait. Je teste des trucs parce que je suis là. What? Tu peux configurer tes wagons? Ah ouais. Couche. What? Mais non. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait les développeurs pour... les livrets qu'on t'a envoyés sur... Ah, ils ont fait comme ça? Ils ont fait comme ça. Oh là là. Ok. Bon bah nickel, hein. Bah écoute, je vais te laisser. Merci en tout cas d'être venu. C'était grave cool. De rien. Et puis du coup, bah, je sais pas quand je relive dessus. Je pense pas relive. Peut-être si jamais un jour il y a un gros DLC qui sort, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le jeu, j'ai quand même bien joué dessus. Enfin, genre, en vrai, j'ai découvert un peu le jeu quoi. Je fais un petit peu toutes les. Enfin, pas les scénarios, mais. J'ai testé tous les types de trains. Enfin, tous les types de trains. Non. Non, mais tu sais, ce qui est disponible, LGV, truc. Ça, j'ai fait les 4. LGV. Bah, t'as fait le fret, voyageur. Ouais. Après, il y a des DLC. Quand on va dans la boutique, il y a des DLC, genre en mode qui font des nouveaux trains. Mais c'est un peu pareil, non? Ou c'est vraiment, ça change vraiment le truc? Bah, ça change les locomotives, ouais. Les cartes aussi. Ok, ouais. Bah, ça change. Par exemple, sur le anglais. Ouais. Il y a Easy Quest, où il y a une loco française aussi. Ok. Bah écoute, si jamais j'ai envie de rejouer dessus, je rejouerai, mais c'est vrai que... Ça, c'est bien, ça. Je découvre des trucs, là. C'est quoi, ça? Ah, c'est... Munich, Augsburg. Ouais, c'est ce qu'on a déjà vu, ça. Ok. Bah nickel. Bah vas-y, je te laisse, du coup. Merci d'être venu, en tout cas. Et puis, à une prochaine, peut-être, si je relive dessus d'ici quelques jours. Peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois. Peut-être on se reverra. Donc voilà. Oui. Vas-y, nickel. Merci, à plus. À plus, du coup. Salut. À plus. Ok les gars, wouh, sommes de retour. Bon, bah c'était quand même grave cool. Moi j'ai bien kiffé jouer à ce jeu là.
Bon, j'avoue qu'on l'a quand même pensé pas mal, le jeu. J'avoue que les gars, on l'a quand même bien pensé. Le jeu quand même vaut le coup. Hein. Moi, le jeu, j'ai bien kiffé le jeu. Après, voilà, c'est quand même... Enfin, le jeu est quand même répétitif au bout d'un moment. Donc voilà, bah, c'était sympa. Merci d'être venu. Merci ceux qui auront liké ce live. N'hésitez pas, même ceux qui ont la rediffusion. Enfin, n'hésitez pas aussi à aller checker tout ça. C'était quand même bien, bien, bien cool. Et par contre, je sais pas, il y aura d'autres jeux qu'on va pouvoir tester. Je vais essayer de voir si on peut tester d'autres jeux d'ici la semaine. Là. Pas une chaîne secondaire, mais on essaiera de tester des petits jeux sympas. Donc voilà, les gars. Voilà, voilà. La glace. Ah non, il n'y a plus de glace. Il n'y a plus de glace, les gars. Je n'ai plus de glace. Il faudra que j'en en rachète. Donc on verra ça, très bientôt. Normalement. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai branlé, pourquoi je suis seul? Normalement, les gars, pourquoi ma caméra est tordue? Ouais, voilà. Normalement, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mardi pour un nouveau live, mercredi, il y aura sûrement notre live, jeudi aussi, vendredi aussi. Enfin, je verrai. Normalement, j'ai un tournage fin de semaine avec Nico et un youtubeur. Et il y aura un vlog logiquement sur la chaîne. Quand exactement, je sais pas, mais enfin logiquement samedi, mais comme le montage risque d'être très long, on verra bien. Donc on verra. 5 minutes de live pile. Ah, oh, on a 100 minutes de live. J'avoue. Focus. Oh merde. Putain, c'est de la merde. Voilà. Focus caméra. Oui, désolé. Ster sur Farming fait une série vite fait avec du combat matériel. Ah, en vrai, les gars, Farming, c'est terminé. Hein. Les gars, Farming, on va faire les petits Suisses. On continue un peu les petits Suisses, on continue les paysans français, mais après, c'est terminé. Les producteurs français, on joue dessus, mais le problème, c'est que bah, c'est pas ouf, quoi. Enfin, genre, on tourne en rond, il n'y a pas vraiment de but. Donc, voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai envie de faire quelques petits vlogs, là. Jusqu'à juin, je vais faire des vlogs. Après, je verrai ce que je ferai. Mais voilà. Bah, écoutez, bonne soirée, les gars. Merci d'avoir su ce live, c'était cool. Je suis un peu fatigué, mais tout va bien. Bonne soirée. Et on se retrouve demain soir, par contre, 18h. Nouvelle vidéo, cette chaîne-là, voilà. Donc, merci d'avoir su ce live. À la prochaine et bonne soirée. À plus, les gars. Ciao, tout le monde.